là-bas boire du café au jus de canne. Là, comment ça se fait? Voilà le café. Le café de chez nous. Un peu la pub. Je connais, tu connais que c'est toi que je kiffe, c'est toi. The only one I need by my side, c'est toi. The only one I need in my life, c'est toi. Girl, if you give me your love, and you know I will love you better. There's no time to be wasting, baby, make it come together. Yeah. Que je ne l'ai choisissez le choisi, mais ne laissez-le parler. Alors à la fin ma tête, c'est toi mon goût, c'est toi jusqu'à la gare, je t'aimerai toujours, c'est toi. Nuna Traoré, bonjour. Gauthier Kwayep, bonjour champion. Bonjour à tout le monde. Bonjour belle Ronca. Ouais, il est très milliardaire, ah oui. La journée appartient à ceux qui se lèvent tôt le matin, oui bien sûr. Même s'il faut s'asseoir sur son lit, c'est le plus important. Quand on dit que se lever le tête tôt le matin n'est pas de partir quelque part. Même s'il faut s'asseoir sur son lit, être élevé, regarder son téléphone. Nous sommes à l'aide de la technologie. Donc ne sois pas surpris du succès de ton ami. Parce qu'il ne travaille pas. Non. Peut-être c'est quelqu'un qui est élevé. Il est ponctuel dans sa vie. Voilà. Ce n'est pas le travail qui garantit ton avenir. Non. C'est ta ponctualité à ce que tu fais qui va garantir ton avenir. Alors, aujourd'hui, si tu es éveillé, ta vie change. Je connais un ami, j'ai pas envie de citer le nom du pays parce qu'il va se reconnaître, il est toujours là-bas. Aujourd'hui, il a beaucoup d'argent. Son travail, lui là, il fait la prospection. Son travail, c'est quoi? Il se lève chaque matin, 6 heures. Il est dans les restaurants des grands hôtels, 5 étoiles. Voilà son travail. Hein. Donc, il fait la prospection. C'est un ami à moi. Son travail, j'ai découvert ça trop tard. Lui, son travail, c'est de se lever chaque matin, 5h30. Même s'il ne dort pas à l'hôtel. Il vient, dit bonjour hein, aux clients de l'hôtel dans les restaurants. Et vous savez que quand vous n'habitez pas dans un hôtel, qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez payer votre ticket. Lui, il paye son ticket. Quand tu n'es pas de l'hôtel, il y a les tickets, 50 euros. 100 euros, il s'assoit là-bas, il prend sa tasse de thé, il se sert comme s'il habite à l'hôtel, tout et tout. Voilà son travail. Après, il donne ses cartes de visite, tout et tout. C'est comme ça qu'il gagne les marchés. Vers 12 heures, le gars rentre chez lui, il dort. Tu vois, il est le représentant des marques. Tu dis que, mais le gars s'est fait comment pour rencontrer le genre des personnes aussi dans sa vie? Comment est? Non! C'est parce qu'il a la ponctualité. Et il y a eu une des marques qu'il a eu toujours ce monsieur-là dans un hôtel. Il y a des gens que tu ne rencontreras jamais dans ta vie. Si ce n'est pas dans certains milieux. C'est pourquoi j'ai souvent dit, tu peux être riche dans ton pays sans voyager. Mais l'éveil là, l'éveil viendra du fait que tu as voyagé. Quand tu as voyagé, tu es un riche.
Quand tu as voyagé, tu es un vrai riche, même si tu n'as pas l'argent. C'est pourquoi quand je vois les gars de la diaspora qui sont pauvres, ils pleurent. Ouais, vraiment, non. Nous, on veut que le Cameroun change. Est-ce que tu comprends? Nous voulons que le Cameroun change. Mais si c'est pour dire que je vais dormir au Cameroun sans manger, mon ami, détrompe-toi. Tu ne peux pas dormir au Cameroun sans manger. Non, 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 je ne peux pas. Moi, je connais ce que j'ai à faire. Si j'ai pu m'en sortir dans le pays des autres, ce n'est pas dans mon pays que je vais... Hein? C'est que bon, au Cameroun, c'est quoi? Quand tu parles, ah, il veut se faire... Hein? Il était milliardaire, j'ai vu les tes vidéos là où tu es chez Napoléon Ier, tu montres sa maison, tu parles de l'adresse. Tu vas voir, les gens viennent faire les commentaires, ça énerve à la fin. C'est-à-dire, les gens détestent ta personne. C'est-à-dire, les gens détestent ta personne alors que tu es en train de passer un bon message. Discutons les idées. Tu ne peux pas faire confiance à quelqu'un qui n'a pas de maison au Cameroun. Tu fais quelqu'un confiance parce qu'il est Camerounais, oui. Mais s'il n'a pas d'adresse, comment tu peux le mettre trésorier? Voilà le message qu'il est très milliardaire, voulait faire passer dans la vidéo. Mais vous êtes là. Non, il veut se faire voir, il fait les bruits beaucoup, il bavarde beaucoup. Mais arrêtez ça. C'est le message qui est important. Pourquoi vouloir sa personne? Non. Il passe un message qui éveille les autres. C'est qu'il dit comme message là. Vous allez voir ceux qui viennent faire les commentaires. Tu peux taper sur leur profil. Ils sont devant deux casiers de bière. Voilà, voilà la vie d'un homme. Tu vas vouloir parler, que je me sens mieux ici. Mais quelqu'un qui a de la peine à se soigner dans un hôpital au Cameroun. Mais passe son temps à venir critiquer, mettre les têtes de mort sur les vidéos de quelqu'un qui allait à des milliers de kilomètres, voir le monde, retourner, partager l'expérience avec les autres. On en a besoin. Ton enfant qui a voyagé là, mon ami, tu as besoin de lui. Tu as besoin de lui. Hmm? Ben, est-ce qu'on veut comprendre ça alors? Mais c'est la jalousie, l'aigreur. Les gens confondent la cible. Mon frère, c'est Popol qui a Yaoundé. Hein? Voilà, ce n'est pas un gars qui... Ce n'est pas ton frère... Ce n'est pas ton frère ou ta soeur qui est la cause de ton malheur. Donc voilà le jus de canne au café. Voilà. Donc là maintenant je vais filtrer. Surtout le café qu'on filtre. Pas le café des blancs là qui est déjà filtré. Voilà. Voilà. Le café de chez nous là. Ça on vend ça à Carrefour. J'adore ça. C'est un bon parfum. Et c'est un Camerounais qui fait ça. Lui il vit en. Quoi qu'il vit en France. Oui. Donc voilà. Tu as là mis ton jus de canne et ton café. Dans le chauffe-eau comme ça, dans la cafetière. Maintenant, tu prends le tamis, tu filtres. Voilà. Les gens me disent, Banga Diaspora, mais tu ne fais plus trop de sport, mais comment tu muscles toujours? Oui, mais le jour que je m'en vais en salle, je travaille 10 fois, puisqu'au Cameroun, je n'ai pas assez de temps. Vous voyez la famille, tout et tout, les charges, la tête. Vous savez qu'au Cameroun, la tête n'est pas posée. Donc, ce n'est pas facile de faire le sport comme quand tu es dehors. Parce que quand je suis dehors, vraiment, je suis un loubard. Voilà, je suis un travail, je mange le fer quand je suis dehors. Voilà, et tu vois le résultat là. Mais les gens me disent, mais Bamba, malgré tu ne fais pas tellement le sport, tu maintiens le niveau. Oui, je maintiens le niveau, pourquoi? Parce que c'est grâce à ça. Voilà, je ne prends pas les pilules là, on appelle ça quoi là? Les suppléments, je ne prends pas. Voilà, voici ma part de suppléments. Je prends le jus de canne au café le matin. Quand j'entre en salle, je suis comme quelqu'un qui a pris la drogue. Voilà, je travaille tellement. Donc, je te demande de faire de même. Tu vas voir ce que ça va te faire. Ça va t'apporter beaucoup. Jus de canne au café. Tu n'es pas fatigué. Ah oui, tu n'es pas fatigué. Et ça va t'apporter un plus. Pourquoi? Parce que tu n'as pas faim. En même temps, tu n'es pas fatigué. En même temps, tu n'as pas faim. Voilà. Donc, voilà. Voilà, ça va filtrer. Voilà le déchet. Donc voilà, le jus de canne, frais. Voilà. Avec ceci là. Et ça a un bon parfum. Ah, c'est bon. J'adore ce parfum là. I like it, I love it. Donc, je voulais parler de ce matin, le direct de ce matin. Nous allons un peu essayer de sensibiliser certaines personnes. Voilà. Tu sais, parfois, tu as ton projet. Mais c'est le casting des personnes qui va t'entourer, qui va finir par te détruire. Souvent, tu as un bon projet. Oui, ton projet que tu as là, ça rapporte beaucoup d'argent.
Mais le casting des personnes, les personnes qui vont t'accompagner vont faire problème. Voilà, c'est ça qui va te tuer, c'est ça qui va détruire ton projet. Voilà. C'est-à-dire, les personnes vraies avec toi ne te trahiront jamais. Voilà. Et quand ils découvrent que tu es quelqu'un de mauvais, de pas bien pour eux, ils prennent leur recul. Donc, je vais essayer de parler un peu les gens instables. Comme ces derniers moments, vous allez voir, même si quelqu'un qui te fait la talakou, il y a quelqu'un qui sur la toile, on a vu tous ici sur la toile, comment il est venu, dit comment, croqueuse de diamants. Non! Après Dieu, c'est elle. Après Dieu, c'est elle. Elle a changé ma vie. Croqueuse de diamants a changé ma vie. Moi, je n'ai pas un problème avec lui, hein. Je ne vais pas parler de lui. Parce que j'ai pas, lui, c'est un Camerounais. On est tous sur la toile. Même si tu fais une vidéo, je ne suis pas abonné à ta page. Joël Franck peut partager. Lucky Balronka peut partager. Gauthier, Kouaïe peut partager. Et puis, tu tombes sur la vidéo. La même personne hier, qui encensait quelqu'une, qui traitait celle-là de Dieu, la même personne, quelques jours après, sort pour dire, elle est l'incarnation du diable, elle est ceci, elle est cela. Mais il oublie que ce n'est pas l'image de cette personne qu'il est en train de détruire, mais c'est plutôt son image. Pourquoi? On va le considérer dorénavant comme quelqu'un qui est instable. Moi, dans la vraie vie, le genre de personne-là, tu encenses quelqu'un aujourd'hui, et demain tu désavoues cette personne-là. C'est des personnes qu'il faut éviter automatiquement. Les gens font comme s'ils veulent montrer qu'ils sont sérieux. Mais ils montrent en réalité leur malhonnêteté intellectuelle. Parce que ça émane de l'intelligence, ce qu'ils font là. Parce que tu ne peux pas encenser quelqu'un en public. Et après quelques jours, cette personne, tu fais l'appel de balle. Et cette personne t'accepte auprès d'elle. Et deux jours après, quand tu pars, tu découvres que hey, la personne n'est pas ce que je pensais. Qu'est-ce que tu fais? Tu te recules. Parce qu'à un moment de la vie, si tu passes ta vie à te plaindre contre les gens, contre tout le monde, ça veut dire que c'est toi le problème. Si tu passes toute ta vie à te plaindre des gens, des abus des personnes, ça veut dire qu'à un moment de la vie, c'est toi le problème. Ça, c'est le secret que vous ne verrez jamais chez un chef d'entreprise. Ça, c'est le secret que vous ne verrez jamais chez un chef d'entreprise. Vous allez voir qu'à un moment, je ne filme plus mes gars avec qui je travaille. Pourquoi? Parce que personne n'a sa place garantie avec toi. Parce que si constamment on se rend compte que hey, tu as changé les gens pour travailler, tu changes les personnes pour travailler, mais attendez, même s'ils sont malhonnêtes avec toi, même s'ils ne sont pas sérieux avec toi, à un moment, ça veut dire que tu n'as pas compris la leçon de la vie. Ça veut dire que tu fais les mauvais castings. C'est un peu comme nous sommes dans un système aujourd'hui, la gouvernance de Popol, l'ordre de 82. Là, voilà, les mêmes personnes sont là. Hein? Il renvoie celui-ci au quartier, il part récupérer quelqu'un qui a déjà les mauvais antécédents, qui a déjà les antécédents suspects. Il les ramène aux affaires que venait encore travailler. Et il va avancer comment? Ça veut dire c'est lui le problème. Pourquoi on en veut à monsieur Popol? On en veut à Popol, pourquoi? Parce que c'est lui le problème. Donc, c'est pas parce que c'est ton entreprise, ok, que tu penses que les personnes avec qui tu es là vont garantir le succès de ton entreprise. Donc, ça veut dire quoi? Évite de les afficher. Parce qu'à toute heure, ils peuvent te désavouer. Ils peuvent te désavouer. Donc, revenons à l'histoire de ce garçon-là. Ce n'est pas lui qui m'intéresse, mais c'est son mode d'emploi. Comme on dit, le mode de process. C'est sa manière de procéder. Vous voyez, les gens font l'appel de balle. Ça veut dire, méfie-toi des personnes qui t'apportent un soutien et qui te font l'appel de balle, qui veulent absolument te rencontrer. Non. Les personnes qui t'ont soutenu et qui te soutiennent n'ont même pas besoin de faire partie de ton écurie. Il y a des gens qui te soutiennent à distance. Et tu vas même les appeler. Que vraiment, est-ce que tu peux marcher avec moi? Est-ce que tu peux me rendre service dorénavant? Ils vont te dire merci. Ils vont te dire merci. Ils n'ont pas besoin de marcher avec toi. Mais oui. Parce qu'on peut soutenir quelqu'un sur une thématique, sur un cas que la personne est en train de traverser. Mais, demain, la même personne-là, on le critique pour quelque chose qu'elle a fait qui n'est pas normal. Et quand tu ne fais pas partie de son écurie, ça donne, ça porte. Tu ne peux pas être celui-là qui encense quelqu'un aujourd'hui
Tout le monde voit. Et demain, tu désavoues cette personne-là. C'est-à-dire que c'est ton image qui est en jeu. Parce que quoi? La vie publique affecte automatiquement notre vie privée. Il y a un soeur qui m'a appelé hier, Mbanga Diaspora. Vraiment, tu sais que tu es mon frère. Vraiment, je voulais un conseil de toi. J'ai envie de faire un business. J'ai envie de faire un business, mais je voulais une page, tout et tout. Les gens m'ont proposé les pages. J'ai dit, fais attention. Fais attention. Il y a les pages, oui, qu'on a piratées. Oui, on a changé les mots de passe. On va te donner. C'est bien. Mais demain, ces mêmes personnes vont te faire le chantage. Ces mêmes personnes vont te faire le chantage. Parce que c'est ça le monde d'aujourd'hui. Les gens ne sont plus vrais. Et vous savez, le chantage du passé détruit plus que le succès du présent. Tu peux être au sommet des sommets aujourd'hui. Mais ton passé là qui ne valait que 10 000, 10 000 seulement. Ton passé qui ne valait que 10 000 là. Détruit ton présent qui vaut aujourd'hui. Qui vaut aujourd'hui 100 milliards. Voilà pourquoi dans la mafia, les patrons des cartels se rassurent que tous ceux qui ont participé à leur passé là, pour éviter le chantage, tu travailles pour lui à vie, et tu te soumets, tu lui fais allégeance, soit il va t'éliminer. D'abord, il ne travaille pas avec tout le monde. Il sacrifie tout le, il sacrifie une partie. C'est ça la loi de la mafia. Parce qu'il y a des gens que pour, c'est-à-dire que le passé, là, l'aide du passé qui t'a apporté là, qui ne vaut même pas 10 000 là, il va détruire ton présent qui coûte des milliards. Même les hommes politiques font ça. Vous croyez que qui a vraiment causé la mort de Kadhafi? Le guide libyen. Mais c'est Sarkozy. C'est lui qui était à la manette. Un gars comme Obama n'avait rien à foutre. Mais c'est que comme c'est les associés du mal, les malfaiteurs, pour certains petits frères qui viennent dire, est-ce qu'un Banga Diaspora, le vol c'est le vol? Non. Un Européen qui vient prendre en Afrique, on ne considère pas ça comme vol. D'abord, même les appellations sont différentes. Quand un Européen, les Occidentaux là, un Occidental vient en Afrique, ils ont les mots. Ils ont les noms. On les appelle les expatriés. Alors que toi, tu parles avec le visa chez eux. On t'appelle que immigré. Tu as immigré, tu immigres. Alors qu'il y a des Camerounais qui sont bien positionnés en Occident, qui sont des patrons de ces Européens-là. Mais malgré tout, on ne les enlève pas le statut, cette appellation d'immigré. Donc tu vois que c'est différent, petit frère. Donc vous ne comprenez rien. Un chef d'équipe dans la bananerie, quelqu'un qui travaille au champ, on les a connus. On les côtoyait en Banga. Je suis né et grandi en Banga dans le Mungo. Je connais Njombe. Même avec les yeux fermés, je marche en Njombe. Pendja. On te parle que quelqu'un qui est chef d'une petite station. Une station peut être quelque chose peut-être de 10 hectares ou bien 20 hectares. Celui qui contrôle, c'est avec sa moto. Celui-là, il se balade avec sa moto. Il a un pick-up, il a tout. Le gars, il a 3 millions par mois. Quelqu'un qui travaille au champ. Il a 3 millions par mois. Faites attention, il y a un qu'on côtoyait beaucoup. On s'est rendu compte qu'il était en train de purger sa prison. Donc il vient purger sa prison en Afrique chez vous. Et en même temps, il gagne l'argent. Il gagne l'argent. Il y a beaucoup des Européens que vous voyez ici là. C'est des prisonniers. Mais malgré tout, on les appelle les expatriés. Alors que toi, tu as fréquenté chez eux, tu as les diplômes plus que lui. Mais on t'appelle immigré. Donc, petit frère, il faut parfois vous conseiller. Quand moi, je dis que, mon ami, je soutiens. Il y a ce qu'on appelle les règles de la réciprocité. C'est-à-dire que ce que les autres font là-bas, ce que les autres viennent faire chez vous là, fais ça aussi chez eux. Sinon, tu ne peux pas t'en sortir. Tu ne peux jamais t'en sortir avec 1200 euros. Parce qu'ils ont fait leur monde. Doula avait chanté depuis. Que n'écoute pas que quelqu'un travaille 2000, il touche 2000 euros par mois. Il touche 1500 euros par mois. 2000 euros, c'est plus de 2 millions. Peut-être, c'est 2000 euros, c'est plus d'un million. Peut-être dans les 1 300 000. 1 300 000. Tu applaudis, oui. Ah, mon frère touche 1 300 000. Tu connais ses problèmes. La maison seule, déjà, lui prend la moitié de son salaire. La maison seule, lui prend la moitié de son salaire. Voilà la différence, même au Cameroun, entre les fonctionnaires qui sont en ville
et les fonctionnaires qui sont au village. Regardez bien. Le fonctionnaire qui est en ville a de la peine à se construire. Le fonctionnaire qu'on envoie dans les petites villes, il gagne le même salaire, parfois même plus d'avantages. Pourquoi? Parce qu'il n'achète pas la nourriture, il n'achète pas l'huile. On lui donne. On lui donne. Donc voilà la différence entre quelqu'un qui touche 2000 euros en France, en Belgique, aux États-Unis, et un gars qui touche 300 000 au Cameroun. Le gars de 300 000 là, s'il gère bien sa vie, il va s'en sortir. Il va s'en sortir. Avec les articles qu'on donne aux grands fonctionnaires. Et quelqu'un qui touche déjà 300 000 au Cameroun, c'est un grand fonctionnaire. Il faut apprendre à faire la part des choses. Donc, c'est parce que ton frère touche 1300 euros, 1400 euros, il te parle, tu évalues, tu penses que non, il a des problèmes. Là-bas, tu payes tes factures jusqu'à la fin du mois, tu te tournes comme ça là. Il manque 50 euros dans ton compte. Oui, c'est comme ça se passe. Comme ça qu'ils ont fait leur monde. Ils ont fait de manière que on t'appelle pour te demander de prendre le crédit. Ce qui n'est pas dans notre culture au Cameroun. Là-bas, quand tu travailles, on t'appelle, on fait la promotion du crédit. C'est si chez vous qu'on ne fait pas la promotion du crédit. Les gens toquent à ta porte, pas pour faire le témoignage des témoins de Jéhovah. Là-bas, chez eux, là, on toque à ta porte pour te faire la promotion, pour te faire les témoignages, des bienfaits, comment prendre le crédit. Même si tu veux, dans 100 ans, on va te donner. Voilà la différence. Voilà la différence entre eux et chez nous. Donc c'est pour dire que si tu travailles chez eux là, quand tu n'as pas fait le déménagement, et tu n'as pas l'instinct que choix son caméra foya, choix son jong, texo, a put en fond conteneur, faut déménagement, mon ami, tu ne peux jamais t'en sortir. Tu n'auras jamais les vacances. Même les congés, tu ne peux jamais offrir ça. Quand tu vois un gars taper 10 ans, 20 ans, il a deux enfants en Europe. Il ne les a jamais amenés en Afrique. Tu crois c'est quoi? C'est parce que celui-là n'a pas compris que non, il faut aussi faire comme eux ils font en Afrique. Petit frère, on ne te demande pas de tuer quelqu'un. Use your brain. Utilise ta tête, petit. Je le dis à Mondovision, et ça me cache. C'est ce que chez nous, là, eux, ils braquent. Et ils font des génocides. Vous savez ce qui veut dire, quand on découvre un puits de pétrole, combien de personnes meurent? Hein? Vous connaissez combien on fait des guépis? Voilà les carrefours, ils s'installent partout. Tu connais l'histoire des carrefours quand ils s'installent en Afrique là? Vous connaissez les personnes qu'on a déguépies? C'est que toi, après un moment de ta vie, tu te rends compte qu'on a encerclé un espace dans ton pays, dans ta ville. Subitement, tu veux voir, on te dit qu'on a ouvert l'agence Carrefour à Bonamoussadi. L'agence Carrefour à Lorpom. L'agence Carrefour. L'agence telle. Total, mon ami. Derrière là, c'est des mutus. National puissant. Et ils négocient en haut là-bas. Ça veut dire que quoi? On vient, toi, on vient, on casse ta maison. Tu veux parler fort, c'est la voix du ministre que tu comprends. On te menace. Parce que le ministre a pris sa part de choco depuis le sommet. On l'invite à Paris. Il part. C'est-à-dire qu'on l'invite quelque part à Paris, là où c'est les ordres, sortent de là-bas pour arriver à étudier. Toi, tu vas faire face à eux. Tu vas faire face à eux. Donc, si toi, tu pars chez eux là, tu ne t'en sors pas. C'est-à-dire que tu n'as pas utilisé ta tête. Et dans la vie même normale, on va tout te dire. Depuis quand un salarié va s'en sortir bien dans la vie? Un salarié ne peut pas s'en sortir. Tu comptes sur ton salaire, même chez eux, c'est comme ça. Même chez eux, c'est comme ça. Les gens naissent avec les dettes, ils meurent avec les dettes. C'est clair. Les gens jonglent le fisc, même dans les pays les plus développés. Les pays ont dit qu'ils sont honnêtes. Eux-mêmes, ils ne sont pas honnêtes chez eux. Parce qu'ils jonglent le fisc. Ils ne déclarent pas vraiment les impôts. Ils ne déclarent pas ce qu'ils ont. Donc, il faut beaucoup faire attention, mes chers frères et sœurs. Donc, je revenais à ceci, c'est que les personnes qui t'ont aimé ne te trahissent jamais. 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 Et dans la mafia, comme j'ai dit, toujours et toujours, il y a des gens qui peuvent t'apporter l'aide de 10 000 aujourd'hui, mais demain là, à cause d'eux, ils détruisent ton succès des milliards, qui vaut des milliards. Ils te détruisent. C'est pourquoi il a fallu automatiquement un gars comme Sarkozy se débarrasse de Kadhafi. Il fallait absolument se débarrasser de Kadhafi. Donc ce que vous dites ceci, ce comédien là qui sort aujourd'hui, qui vient tirer sur cette fille là,
Je ne suis en train de soutenir personne. Mais je prends les cas comme un exemple pour te parler à toi. Qu'il faut beaucoup faire attention. Il faut beaucoup faire attention. Apprenez à fréquenter des grandes personnes. Parce que parfois le chantage détruit plus que le talent qu'on a. Tu peux avoir le talent. Mais quelqu'un hier a pu pénétrer dans ta vie. Il te fait ce qu'on appelle l'insomnie chaque jour. Tu n'es plus libre. Tu n'es plus libre. Et tu vas comprendre pourquoi il t'a aidé. Il a tout fait pour t'aider parce qu'il sait que tu es quelqu'un. Tu as l'étoile qui brille. Il a compris que toi là, ton étoile brillait. C'est pourquoi il a tout fait pour venir auprès de toi. On n'accepte pas n'importe qui auprès de nous. Non. Non. Quelqu'un peut crier là chaque jour. Tu n'acceptes pas. Apprenons à vivre comme les politiciens. Apprenons à vivre comme les politiciens. Tu peux... Moi, j'ai quelqu'un... Je me souviens une fois, quand c'était chaud ici au Cameroun, avec les Simons, investis au pays, quand ils voulaient mettre le petit là en prison, j'ai dit que, Simon, si tu essaies de mettre le petit là en prison, nous aussi on va te porter plainte, je vais lui chercher un avocat. Après ça, Simon a fait profil bas, tout et tout. Le petit qui l'avait accusé, qu'il a pris son argent, 300 euros. C'est-à-dire que voilà un petit qui l'a fait gagner près de 40 millions au bout de 2 mois. Voilà. Mais, pendant qu'en France, quand tu fais le même montant, tu as les avantages, tu as la promotion. Mais au Cameroun, ils continuent à payer les gars là 100 000 par mois. Quel que soit le service que tu rends. C'est-à-dire que quel que soit le nombre du terrain que tu vends, tu n'as que droit à ton salaire. Pendant ce temps, les mêmes gens qui sont en Europe, comme peut-être au Cameroun, quand ils te montrent un terrain, j'ai droit à 5%. J'ai droit à 5%. Maintenant, j'ai les gars avec qui je travaille. C'est tout à fait normal que si tu viens avec un client, c'est normal que je dois diviser même les 5% là en deux. Je te donne peut-être même 2%. Parce que c'est mon entreprise. Mais toi, je t'ai promis 100 000. Et dans le contrat, c'est écrit que si tu apportes un client, hormis de tes 100 000, tu as quelque chose de plus, un pourcentage que tu auras si tu apportes un client. Donc c'est comme ça que le gars, on l'a filé la mèche. Maintenant voilà un client qui arrive, il donne 300 euros pour l'ouverture du dossier dans l'entreprise de Simon. Comme ça que après ça, le petit a les problèmes, on porte le petit, on jette en cellule. Il dit à Simon que comme tu vois là, ma grand-mère est malade. Et de sur quoi après ça, la grand-mère est morte. On ne sait pas ce que Simon a fait. Après ça, il dit qu'on a cassé sa pare-brise de sa voiture. En fait, c'est les gars très rusés. À un moment là, au Cameroun, tantôt, voici la fille qui louait la boutique de ma mère. Voici, tout et tout. Donc, il embrouillait les gens, quoi. Donc, c'est parfois, c'est les gars, on ne dit pas. Nous sommes parfois des gens, on a des bons contenus. Mais parfois, ils exagèrent. Il y a ce qu'on appelle l'excès dedans. Ils excèdent. Je ne sais pas si c'est les vues qu'ils cherchent, comme l'autre. Hein, comme l'autre. Numbisi. Tous les mêmes gars. Elle dit que voilà les gars, il dit que la viande qu'on mange en route là, c'est la chair humaine. Comment? Mais qui t'a dit que ce que les jambons que les carrefours vendent là, c'est pas la chair humaine? Mais arrêtez ça. Mais attends, l'apparence est trompeuse. Nous sommes en Afrique. Nous tous on connaît. Nous tous on connaît que. Mais allez manger de même dans les grands pays, vous allez voir. Comment il y a les nourritures qu'on te fabrique là, toi tu vois ça en ça là, mais les gars mangent, tu vois comment? Vous savez comment? La rue a toujours été la rue. Et parfois dans la rue, on est même vrai. Donc ça veut dire que bon, ça veut dire que quoi? Donc parce qu'aujourd'hui vous mangez dans les cuisines modernes, que la cuisine de la maman du village n'a plus de valeur. Mais arrêtez ça quand même. La maman du village, la grand-mère du village là, qui se lève le matin, même sans se brosser, fait du petit café, fait le déjeuner à son mari, aux enfants, va au champ, rentre, prépare sur la cuisine de bois. Elle prépare vite et puis bien. Ça a le goût. Nos grands-parents préparaient le riz sauté, mais tu mangeais avec le mbunga. Parfois, il n'y a même pas le corps du mbunga. Il n'y a que la tête. Mais tu manges, tu es content. Le riz est blanc, mais tu demandes qu'est-ce qu'elle a utilisé pour que ça soit autant sucré comme ça. Là. Les petites herbes du champ qu'elle prend derrière la cuisine. Donc, c'est-à-dire, parce que l'aspect de la cuisine traditionnelle, elle n'est pas beau à voir, hein? N'est pas joli à voir, que ça n'a pas de valeur.
Non, mais... Donc, il y a des choses, les excès. Le petit, là, m'a appelé. Il m'a sur un matin, le petit, là, vient avec sa maman. Vraiment, mon fils, merci. Ouais, vraiment. Le petit a voulu me remettre quelque chose. Il dit, non, petit frère, merci. Merci. Il a continué à m'appeler pour qu'on garde le contact. Un matin, je l'ai bloqué. Les personnes qui sont vraies sont les personnes qui te soutiennent et disparaissent. Ils sont comme les anges dans votre vie. Donc, le cas de ce genre de ce garçon-là, hein, qui vient soutenir Coco Diamantaire, au demain, le même sort, non. On n'appelle pas, non, je te soutiens seulement. Non, mon ami, la fille a fabriqué son film. Apprenez à rester seul dans vos films. Il y a des films que quand tu fabriques, reste seul dans ton film. Tu contrôles le game. Parce qu'à un certain moment de ta vie, tu n'as pas besoin de quelqu'un. Quand ça prend, ça a pris. Quand ça prend, ça a pris. À un moment de ta vie, tu n'as pas besoin de quelqu'un. Kadhafi n'avait pas besoin de sponsoriser la campagne de Sarkozy. Il n'avait pas besoin. Parce que quand tu te rapproches de quelqu'un, il finit par connaître qui tu es. Il connaît ton coin faible. Reste un mystère. Quand tu as le vent en poupe, il y a des gens qui te donnent tous les noms d'oiseaux, qui te traitent de tous les noms d'oiseaux. Accepte. Voilà les maîtres Gims. Bon, quand l'inspiration chante, non, c'est un franc-maçon. C'est un. Tu as l'avion, viens te montrer la sorcellerie en public. La vraie sorcellerie, là. Tu ne verras ça jamais. Jamais. Voilà quelqu'un qui vient, le prix à payer, pour parler. Mais il parle ce qui existe, c'est les inspirations. Quand on va commencer à chanter, vous avez fait comment? Mon pas sera grave. Parce que je suis trop inspiré. Il y a souvent, elle dit à ma femme que chérie, si un jour j'ai tel argent, voici tel business que je vais faire. Elle me dit, mais donc chérie, donc pour toi là, donc si tu as l'argent, tu vas ouvrir que la morgue. Donc chérie, donc si tu as l'argent, tu vas ouvrir que la morgue. J'ai dit, si un jour moi j'ai l'argent, j'ai pas envie de parler. C'est un projet que si je parle, vous allez voler. C'est un projet que si moi je parle, vous allez voler. J'ai pas envie de parler, je me calme. Pendant que vous êtes en train de crier là, le temps passe, on finit par découvrir. C'est le pauvre qui n'a pas l'argent, qui pense que l'homme qui a l'argent n'a pas de problème. Non, c'est quand tu n'as pas encore eu l'argent, que tu penses que le seul projet qu'un homme qui a l'argent peut avoir, c'est construire la maison, mettre en location. C'est la chose la plus facile. Ça rapporte même d'abord peu. Ça rapporte moins. Comment tu peux investir 100 millions pour avoir 1 million par mois? Tu vas avoir un immeuble là. Ça a fait presque 10 ans. On n'a pas fini. Voilà, voilà. C'est combien là-bas? Regardez-vous même la maison là. Hein? Regardez-vous même la maison là. Ça fait combien? Voilà la maison. Voilà une maison. Regardez là. La maison, c'est là à plus de 100 millions. Donc voilà 100 millions qui est enterré là. Voilà 100 millions enterrés là comme ça là. Pour le moment, ça ne rapporte rien. Et faites attention. Actuellement là, ils payent les gens pour qu'on garde encore la maison. Ils payent pour qu'on garde encore la maison. Tu penses que moi, des choses qu'on a fait à l'époque là, acheter des terrains, 20 millions déposés à terre, construire la maison, mettre les locataires dedans, là, moi je peux faire ça. Je peux faire ça. Attendez, n'est pas, j'ai l'immeuble ici derrière ma maison. J'ai l'immeuble ici derrière, non? J'ai enlevé tout le monde dedans. Oh, sortez. J'ai enlevé tout le monde dedans. Je mets ma marchandise. Je garde mes ouvriers dedans. Mais oui! Je garde mes ouvriers dedans. Je mets ma marchandise dedans. Au lieu d'aller louer un magasin. Mais attendez, mais c'est là. Le deuxième niveau là, moi, je vais faire mon studio là-bas. C'est là où quand je me lève chaque matin, il y a tout là-bas. Pour faire mes directs, mes lives. D'ailleurs, le bureau sera à la maison. Comme le système asiatique. Il faut voyager. Quand tu as la chance de voyager, vraiment, tu es. On va dire que la. Est-ce que tu as une prise de conscience qui ne dit pas son nom? L'éveil de conscience. Ce n'est que dans le voyage qu'on obtient certaines choses. Quand tu n'as pas voyagé là, mon ami, tu es un pauvre qui t'ignore. Qui est un pauvre qui s'ignore? Tu peux avoir tout le milliard du monde. Tu n'as pas voyagé, gars. Tu vas te faire berner, tromper. Faut voir comment on trompe nos frères ici au Cameroun. Vois un gars, on te dit qu'on a pris 300 millions. Ah, comment? Et si tu vas voir un riche, il a encore complexé des épaulettes. Tu vois quelqu'un qui est milliardaire, il est complexé. On dit qu'il faut respecter l'autorité, c'est bien. Mais, tu vas voir un gars multimilliardaire, hein, il est là.
Elle dit qu'on vient, on le manque le respect. Elle dit qu'il n'a personne, il ne connaît personne. Il n'a formé personne dans sa famille. Oh, les mêmes enfants qu'il a accouchés, c'est les mêmes aussi qui sont en train de balayer le sol au magasin. C'est les mêmes qui sont en train de peser les kilos, comme certains de nos parents en Banga. Ce que j'ai vu. Mais oui, tu vois quelqu'un là, il a les dépôts de boissons. Ce sont ces mêmes enfants qui sont là. Il n'a envoyé personne quelque part. Tu es un homme d'affaires, mais tu n'as pas d'avocat dans ta famille. Voilà pourquoi beaucoup de personnes n'ont pas voulu tirer les leçons des gens comme le Kadi, les photos Victor. C'est les gars qui ont tout. Les experts comptables, c'est les gens qui ont les avocats. Mais oui, les Tiani fidèles ont les enfants magistrats. Les Kadi ont les enfants. Les photos Victor ont les enfants magistrats. Surtout avocats. Toi qui me regarde là, si tu as tes enfants, fais tout que quelqu'un, un d'eux soit avocat. Pour porter tes intérêts. Fais tout. Si tu as la même 100 millions, mon frère, ma soeur, écoute-moi bien. Si tu as la même 100 millions, fais tout. Même 50 millions, bats-toi que ton enfant soit avocat. Fais tout. Parce que la procédure, manger l'argent. Quand tu as ton enfant qui est avocat, mon frère, il va te défendre. Il peut appeler l'un de ses collègues. Regardez le nombre d'avocats qu'un monsieur comme Maurice Kamto a pu amasser pour les procédures au Cameroun, c'est facile. Ça veut dire que quand il y a un problème au Nord, un membre du MS a un problème au Nord, il y a un avocat qui va le représenter là-bas. Quand un membre du MS a un problème, même à Paris, il va appeler. L'exemple a montré, le ministre de la Justice française est venu pour le procès. En tant que les amis, collègues, peut-être n'a même pas besoin de donner 5 francs. Voilà la différence. Voilà la différence. Imagine, s'il n'était pas avocat, la procédure, on t'oublie en prison. Quand les gars du MSC ont procès, va voir le nombre d'avocats. Les gens se portent même garant pour plaider pour rien. J'ai un ami magistrat qui m'avait dit, « Woman, fais tout, mais il faut vraiment avoir affaire à un avocat. » Parce que les gars qui ne laissent jamais rien. Même nous, les magistrats, on a peur d'eux. Nous, on a besoin de quand nous, on a des problèmes. Si on dit aux gars ici, là, que quand vous voyez là, pendant le conseil de la magistrature, le conseil supérieur de la magistrature, devant Paul Biala, bah, c'est lui le président du conseil des magistrats, conseil supérieur, quand on sanctionne un magistrat, est-ce que vous savez que lui aussi, il a besoin d'un avocat? Tout dernièrement, c'est à cause de Maître Chungang. On avait déjà presque relevé un magistrat là. C'est Maître Chungang qui a plaidé. Qui plaide devant Paul Biya que non. Celui-ci là, voici ce qu'il a fait. Voici, il a respecté les règles. Sinon, c'est fini pour toi. Donc, un vrai magistrat respecte un vrai avocat. Mais oui, un vrai magistrat qui connaît la loi respecte un avocat. C'est que vous, tout le monde est focalisé. Non, mon grand frère procureur, mon ami, il peut être procureur là. En Afrique, là, ça n'a aucune garantie. L'ordre peut venir de Yaoundé un matin, que tel dossier tu gères. Voilà l'affaire de Mbelinga Amogou, de Martinez Ego. On a changé combien de juges? On a changé combien de juges? Tu n'as aucune main mise sur un dossier. À tout temps, on peut te retirer un dossier. C'est pourquoi j'adore le travail d'avocat. Ah oui. Ah, le jus de canne à sucre avec du café. Oh, c'est bien. Hein? Je te conseille hein, de boire ça. Donc, mon frère, ma soeur, comme je disais tantôt, méfie-toi. Les personnes qui t'aiment, quand ils finissent par découvrir que non, tu n'étais pas la personne qu'elles croyaient, qu'est-ce qu'elles font? Ils prennent des reculs. Pour leur image. Il y a les gens qu'on a côtoyés dans notre vie que si on nous voit aujourd'hui parler mal d'elles, ça ne vaut pas la peine. Ça veut dire que nous sommes des personnes nous-mêmes instables. Fais l'effort dans ta vie d'être stable. Et quand tu es stable avec les autres, automatiquement tu es stable avec toi-même. Et méfiez-vous de fréquenter des personnes qui n'ont rien à perdre. Je choisis mes amis. Je suis désolé. Je trie mes amis. Je trie mes amis. Mais oui. Je trie mes amis. Si je me rends compte que chaque jour tu m'appelles, on cause,
Je ne comprends pas souvent la voix de quelqu'un derrière toi. Papa, maman, je ne comprends pas les cris. Alors que tu m'appelles 10 fois par jour. Dans la nuit, tu m'appelles. Le matin, tu m'appelles. Je dis que mais celui-ci a trop le temps pour m'appeler comme ça. Là, mais il n'a pas le temps pour s'occuper de ses enfants. C'est quoi avec toi, là, mon frère? Je commence à te fuir. Yeah, yeah, avec une narpasse. Mais oui, c'est pourquoi tu as trop de temps pour appeler à toute heure. À un moment de la vie, là. Mais concentre-toi pour toi-même. Qui t'a dit que parce qu'on fait 2 mois sans s'appeler qu'on est des ennemis? Non! Les vrais amis ne s'appellent pas. On s'appelle quand c'est important. Je suis désolé, mes amis. Si tu es ma personne qui me suit là, si je ne t'appelle pas après 2 mois, 3 mois, ne crois pas que toi et moi on a un problème. Non, 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 non. C'est ma nature. Je t'appelle quand c'est important. Je t'écris un message. Quand j'ai quelque chose à te dire. Peut-être tu peux être en train de dégamer. Je viens par derrière, bac, bac. Je te passe un message, je te file un message, je recule. Les personnes qui t'aiment t'apportent un soutien, te soutiennent même avant que tu ne sois dans les pétrins, te soutiennent et te soutiennent parmi, pendant tes problèmes. Et qu'est-ce qu'ils font après? Ils prennent leur recul. C'est ça, les personnes qui t'aiment. Les personnes qui t'aiment, c'est comme ça. Ils viennent te soutiennent. Tu as même tort, il te soutient. Parce qu'il a commencé à te soutenir hier. Il t'orientait. Mais tu as pris un autre chemin. Il te soutient, mais après, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent leur recul. Ils prennent leur recul. Ils ne viennent pas crier sur la toile. C'est les grandes personnes. Parce que la dignité en soi commence avec, par la dignité envers les autres. Sois digne envers les autres pour que la dignité s'abatte sur toi-même. Pour que la dignité vive en toi. Si tu es indigne avec les autres, tu seras indigne envers toi-même. Et c'est ce qui nous trompe. On embrasse les gens parce qu'ils portent nos sacs. Regardez bien ceux qui nous abusent au Cameroun parfois. C'est des personnes que quand on veut dire, ah, non, tonton. Bon, pendant ce temps, on repousse, on déteste les petits cousins qui gardent leur dignité, qui ne courent pas après nous comme des chiens. Parce qu'après tout, nous sommes tous des êtres humains. C'est ça qui nous tue. Parfois, on aide le cancre parce qu'il est à côté de nous. Il est serviable. Il est disponible. Mais c'est ta femme. Tu dois te poser les questions. Qu'un jeune gars qui est ton cousin, 22 ans, il ne fréquente pas. Mais qu'est-ce qu'il fait devant ta porte matin, midi, soir? Tu dois t'inquiéter. Tu dois t'inquiéter pour lui. Soit, avec l'influence que tu as sur lui, tu fais de lui un responsable, il se recule. Il se recule. Et secondo, pose-toi la question, mais pourquoi mon cousin là ne me suit pas? Pourquoi ma nièce là prend toujours ses reculs, mais quand elle me voit, elle me salue? Mais c'est qu'elle garde sa dignité. Mais oui, elle ne veut pas interrompre l'autre qui a déjà le dessus sur toi. Elle ne veut pas interrompre la proximité, l'amour que tu as envers, parfois c'est son frère, même. Mais elle connaît que mon frère n'est pas une bonne personne. Tu vas finir par en avoir marre de son frère. Et tu vas comprendre plus tard. Donc parfois il faut apprendre à faire le choix, le casting des personnes. Celui-ci, on va marcher ensemble. Celui-ci là, sa place là, il n'est pas ici. Non, non, non. Ton frère n'est pas là pour faire la talakou pour toi. Parce que demain, là, on va prendre sa situation pour t'insulter avec. Ne laisse pas assez à n'importe qui. Toi, tu es le leader de ta famille. C'est ce que les gars font ici dehors. Beaucoup de personnes prennent leur position actuelle pour narguer les meilleurs dans la famille et accepter les cancres auprès d'eux. Non. Le cancre, c'est celui qui te fait la talakou. Vraiment, tu es le meilleur oncle. Tu es la meilleure tante. Oh, mais c'est le même là qui va te fracasser demain. Bonjour, bonjour. Oui, bien sûr, allez vous inscrire massivement sur les listes électorales, bien sûr. Il faut vous inscrire, c'est important. Oui, c'est une bonne politique. C'est les politiciens honnêtes qui tiennent notre avenir, qui tiennent l'avenir d'un pays. Le Cameroun va mal parce qu'on a des mauvais leaders.
Il nous oriente ailleurs. C'est de ça qu'il s'agit. Il s'en fiche de nous, en fait. Ils pensent que c'est le peuple qui est à leur service, alors qu'ils sont au service du peuple. Et ça fait problème. Voilà, depuis que le peuple crie là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? N'hésitez pas à soutenir la page, hein, il faut soutenir la page. Quand on donne les bons conseils comme ça, vous êtes là concentré, vous êtes content. Vraiment, Banga Diaspora, j'aime tes vidéos. Mais oui, mais qu'est-ce que tu fais alors? Est-ce que tu as soutenu? Hein? Soutiens la page. Voilà le lien PayPal. Soutiens la page. Voilà le lien PayPal. Hein? Ouais. Soutiens la page. Et voilà le numéro Orange Money et MTN Money. Voilà. Le boycott, ça continue. Le développement est bien. Hein? Voilà les voitures qui passent devant ma cour. Le développement est bien. Mais aussi, ça fait aussi le bruit. Donc, méfiez-vous quand vous voulez embrasser des personnes. Et beaucoup de personnes commettent ces bêtises-là, ces erreurs. Les mêmes personnes qui t'ont soutenu hier font partie de ceux-là qui vont te détruire demain. Il faut faire attention. Prends ton temps. Tu veux faire ta chose, tu veux une page Facebook, crée ta page Facebook. Tu veux ta page, ton compte TikTok, crée ton compte TikTok. Si tu veux faire le business, tu peux sponsoriser ta page. Est-ce qu'un commerçant a besoin d'une page monétisée? Non. Tu sponsorises ta page. Tu dis que chaque jour, je vais publier et ça va toucher 50 000 personnes. Tu sponsorises ta page. Tu as ta carte Visa, non? Tu payes ça via ta carte Visa. Tu peux le faire automatiquement. Tous les mois, ça prend seulement 20 euros, 25 euros. C'est comme ça. 20 euros, 25 euros, ça se fait. Tu n'as pas besoin d'une page qui a déjà 5 000 abonnés, 2 000 abonnés. Quelqu'un va te donner une page qui a 2 000 abonnés, 5 000 abonnés. Mais demain, il tient tous les manettes. Il va te faire le chantage. Il va te faire le chantage. Et ça va te détruire. Ça va te faire un traumatisme. Tu seras déconcentré. Tu ne pourras plus te remettre. Au lieu de te concentrer dans ton business, maintenant tu seras là à vouloir éteindre le feu sur ta vie du passé. Alors qu'il n'a rien apporté dans ta vie. C'est ton projet qui te met là où tu es aujourd'hui. Tu as travaillé un projet pendant 10 ans. Mais quelqu'un t'apporte un soutien pour un jour. Pour un jour. Mais toute la vie. Toute la vie. Il utilise ça comme un chantage. Donc il faut faire attention. Nous sommes nombreux là à céder parfois à la tentation. À céder aux caprices. À l'appel de bas de certaines petites personnes. Non. Non. Non, méfie-toi. Et si tu passes ta vie à céder aux appels de balles de personnes, ça veut dire que à la base, peut-être toi-même, tu es un tricheur. Tu es un tricheur. Je n'ai pas eu beaucoup d'argent comme certains pensent. Oui, j'ai eu ce que je pouvais avoir dans ma vie en diaspora, mais je ne suis pas misérable. Je pouvais avoir beaucoup, mais j'ai évité de fréquenter certaines personnes. J'ai évité. J'ai côtoyé beaucoup de grands frères. Mais paix à leur âme, beaucoup sont déjà morts. Pourquoi? Parce que j'ai toujours fait tout en gardant ma dignité. J'ai fait des pays où, sans élection, on me dit, bon, à partir de maintenant, c'est toi le président de la communauté des Camerounais. C'est toi le président de la communauté de la réunion de famille. Pourquoi? Parce que quand tu gardes ta dignité, ça finit un jour par te payer. Garder sa dignité ne dit pas que tu dois faire la guerre avec tous ceux qui ne partagent pas les mêmes opinions que toi. Non. Il faut être lucide. C'est ça qui fait ce que tu ne dois à personne quand tu gardes ta dignité. Mais quand tu côtoies tout le monde, tu finis par perdre ta dignité parce que tout le monde te connaît. Tout le monde te connaît. Il y a des gens qui vont te respecter à distance, là où tu les as laissés là. Ils vont te respecter toute la vie. Le jour que tu ouvres la barrière, il vient s'asseoir devant ta cour. C'est fini. Ah, dis donc, je côtoie tel. Non, c'est mon ami. Lui, c'est qui? Allez, ça, dis donc. C'est mon ami. Quelqu'un qui était capable de faire tout pour te rencontrer. Il y a des gens qu'on ne laisse que là-bas.
quels que soient les appels de balle. Et voilà, cette jeune fille-là, coquin diamantaire, l'autre l'a soutenue. Il y a des gens qui sont capables de sacrifier même leur propre famille pour t'atteindre. Sacrifier leurs propres amis. Je connais beaucoup comme ça, là. Elle dit que pour avoir quelqu'un, il sacrifie même son meilleur ami. Vous voyez, aujourd'hui, il dit que c'est Cabral qui avait raison. Pourquoi? Parce qu'il veut réparer son amitié. Ils sont très intelligents. Pourquoi? Parce que tout tourne autour de leur personne. Ce genre de personnes-là. Tout tourne autour de leur personne. Ils s'en fichent de la communauté. Ils sont nombreux là. Aujourd'hui, le voilà, il repart, il refait l'appel de balle à son ancien ami, qu'il dit que c'est son filleul de l'époque. Il fait l'appel de balle pour lui donner raison. Donc là, il arrange son amitié. Après ça, le téléphone va passer. C'est comme ça qu'ils font. C'est comme ça qu'ils procèdent. C'est des personnes instables, qui n'ont aucune maturité. Les gens oublient que quand on se dit personne publique, on se doit et devoir de travailler son image. Et l'image n'est pas seulement la photo qu'on voit, c'est aussi le comportement en public. C'est ça qui fait même ta personne. C'est ça qui va faire ce que les gens te portent l'argent. Aujourd'hui, Banga Diaspora s'assoit, les gens m'envoient les 20 millions, les 25 millions, les 50 millions. Banga, accompagne ma mère à la banque, elle va prendre l'argent, achète le terrain. Voici, tu remets le document à ma mère. Banga, voici l'argent. Achète le terrain. Tu gardes les papiers. Vous croyez c'est quoi? C'est parce qu'avec le temps, on finit par découvrir que voici un gars qui garde sa dignité. Et quand tu gardes ta dignité, ça fait de toi une personne de stable. Pas parce qu'on ne peut pas aussi clasher les autres. Je peux clasher les gens. Je suis un gars du Mungo. Je suis têtu. Je suis violent. Je te clash en pitine, tu ne comprends rien. L'autre jour, j'ai dit que wowo pipondem. Le gars dit que, mais gars, le mot là sort encore que doux. Wowo veut dire un lait type. Wowo man. Ça, c'est le mot que vous ne connaissez même pas. Que c'est rare. C'est rare que quelqu'un parle ça sur Facebook. Parce que beaucoup sont les enfants de Douala Yaoundé. Ils parlent le pidgin. Ils parlent le franc anglais. Même à l'ouest, on ne parle pas le pidgin. Même dans le Mungo, on ne parle pas le. Même en Consamba, on ne parle pas le pidgin. Ce qu'on parle en Consamba, là, c'est le franc anglais. Le pidgin, c'est entre la zone anglophone et francophone. C'est-à-dire, les gars qui ont fait, à partir de Lum, Njombe, Mbanga surtout. Mbanga, surtout Kumba. Et Diki, voilà les points forts. Voilà. Mbanga. Parce que nous sommes à 15 minutes, 30 minutes, 25 minutes de combat. On marche à pied. Automatiquement, le broken pidgin là. Le vrai pidgin là, c'est là-bas. Mais on a décidé de partager d'autres contenus sur la toile. Alors qu'on peut clasher. On peut aussi entrer dans les clashs. On sait que les clashs donnent beaucoup de vues. Les Makoso ont compris que les clashs donnent beaucoup de vues. Même comme il est pasteur Lolo, il sait qu'en parlant des clashs, ça lui donne beaucoup de vues. C'est ce que les gens veulent. Mais ce n'est pas ça le plus important. Travaille ton image. Et ça va en conformité avec ton caractère en public. C'est à partir de ça que les gens vont te faire confiance. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas ceux qui font le bruit. Tu peux être une mauvaise personne. Dans l'ombre. Tu peux être quelqu'un de dangereux. Mais les gens te font confiance. Pourquoi? Parce que tu es quelqu'un stable. Tu ne peux pas les vendre un jour. Je parle souvent d'un bon pied ici. Vous dites un bon pied. Un bon pied, c'est quelqu'un qui a produit petit pays. Aujourd'hui, il est en prison. C'est un petit de Mbanga. Un bon pied fait partie des avec les magistrats. Ce n'était pas un magistrat. C'était un enfant de Mbanga qui vendait au péage. Après ça, il est devenu traducteur au tribunal de Mbanga. Ils étaient dans un dossier. Ils ont détourné 21 milliards de francs CFA. Il est en prison. Petit pays, chop chop, ont mangé l'argent des bons pierres. Mais vous voyez, les petits pays font le bruit. Les petits pays que vous voyez là, c'est les gars que les gens font confiance.
Quand tu es là, quelqu'un qui a déjà une image à travailler, les gens vont te donner l'argent que garde-moi ça. À côté, ils vont dire que voilà ta part. Ils souvent dit aux gens que non, je ne vis pas seulement parce que je vends les cannes à sucre. J'ai travaillé mon image. C'est pourquoi si tu me clashes, je me rends compte que ça ne me rapporte pas. Je ne te réponds pas. Je ne te réponds pas. Parce que au lieu que ça me soulève, ça va me faire descendre. Parce qu'il y a les grandes personnes qui ont confiance en moi, qui me regardent. On va voir. Parce que quoi? C'est face aux difficultés qu'en fait on découvre qui est quelqu'un. Imagine quelqu'un t'a donné 50 millions de garder, 100 millions de garder. Imagine quelqu'un qui veut que tu puisses regarder son chantier et qui te voit. Tu es instable. Parce qu'on t'a dit mouf, tu sors. Wow, tu sais qui je suis? Wow. Non. Hey, non. Non, non, non. Quand tu deviens une personne publique, c'est ton fonds de commerce que tu dois préserver. Ça dépasse l'argent. Parce que c'est grâce à ça que tu as l'argent. C'est grâce à ton image, à ton caractère, que tu vas tout gagner. L'autre jour, je m'assois ici, voilà un gars, Essaye de Bonaberry, m'appelle Banga Diaspora, vraiment. Tu sais, j'ai la ferme, je n'ai rien pour toi. Voilà, par rapport à la fête, voilà, je te donne 50 poulets. 50 poules de ferme. Il m'a donné, j'ai partagé à ceux que je peux partager. Il m'a dit, mon frère, que ça reste dans l'anonymat. Il te donne encore, il te dit que, gars, je vais t'envoyer l'argent. Il t'envoie 100 000 par Orange Money. Tu crois que tout ça, c'est pourquoi? C'est parce que tu es stable avec toi-même. Tu peux avoir toutes les qualités du monde. Tu peux avoir tout le talent du monde. Tu peux avoir tout le génie du monde. Mais si tu es instable, tu perds ta dignité. Tu peux être un grand criminel. Mais les gens te font confiance. Les gens te font confiance. Ça veut dire que quoi? Quand tu es instable, si tu méritais 100 000, quand tu deviens stable, tu mérites le million, les milliards même. Les gens te font confiance. Les gens te font confiance quand tu es stable. Tu crois que moi aujourd'hui là, j'ai les titres fonciers des gens dans ma maison. Alors qu'il y a les gens dans la diaspora qui m'envoient l'argent. Banga, achète mon terrain. Voici, fais-moi les documents, tu gardes, je vais venir. Le gars me dit que je viens dans 6 mois. Le gars tape 2 ans. Donc moi je vais blaguer. Quand quelqu'un m'appelle, il me dit, Banga Diaspora, va regarder ma maison, je vais te donner 1 million. Le gars m'envoie 1 million. Je vais venir m'asseoir là pour répondre à n'importe qui, n'importe comment. Je vais accepter n'importe qui auprès de moi. Mais non. Mais non. Non. On ne se tait pas parce qu'on n'a rien à dire. Non. C'est pas pour rien qu'on a décidé d'être du côté du peuple. Non. Parce que l'instabilité automatiquement nous vide de notre spiritualité. Mais oui, j'ai tout dit aux gens, si tu ne peux pas, il faut acheter les livres de francs-maçons, tu commences à lire. Il faut lire, tu vas voir comment. C'est pas pour rien que la mafia, ou quoi que la mafia, c'est quoi? Ça va avec les sciences occultes, la maîtrise en soi. Tu peux acheter, tu lis. Je ne te demande pas de partir entrer dans la franc-maçonnerie. Je te demande, il y a les livres qui peuvent t'aider. Vous croyez que les magistrats qui connaissent les gens 20 ans, 15 ans, quoi, c'est quoi? Ils ont les livres qu'ils lisent. Mon ami vend ça. Mon ami, mon vice-président de Banga Diaspora. Il vend. Tu lis un livre, tu vois, ta tête devient. Tes chevelus montent sur ta tête. Moi, je ne connaissais pas. La dernière fois qu'elle a amené les livres ici pour qu'on ouvre la bibliothèque de Mbanga. La bibliothèque en Mbanga. Mais attendez, je prends un livre et commence à lire. Il me dit, hey man, donne-moi ça. Mais tu vois, c'est les magistrats qui demandent ça. Les décideurs. Quelqu'un connaît que celui-là est innocent. Mais il le condamne à mort. Quelqu'un connaît que celui-ci est innocent. Vous croyez qu'ils n'ont pas de conscience? Ils ont de conscience. Mais pour leur donner raison à eux-mêmes et pour convaincre leur propre conscience, ils sont obligés de lire certains livres pour avoir la maîtrise en soi. Tu peux avoir tout le talent du monde, mais si tu n'as pas la maîtrise en soi, il y a les portes qu'on va te fermer. On peut dire la vérité étant posée. Regardez les séries Bojiko. Regardez la manière de procéder. C'est les opposants. Cyril Bojiko, c'est un opposant. Mais il est lucide. Il est posé. Parfois, on a même raison. Mais le fait qu'on n'est pas lucide nous donne tort.
Comme les gars, comme les malors. Avec le temps, au départ, on croyait que non, malors, c'est quelqu'un de bien. Mais avec le temps, tu te rends compte que non. Il bagarre pour son intérêt. Avec le temps. Moi-même, j'ai cru que non, un gars comme l'autre, c'est quelqu'un de bien. Même les Steve Farr, au départ, quand il a commencé, non. Avec l'autre, on appelle qui là, le comédien ici là, j'ai même oublié son nom, quelqu'un, hein, Mouti le charismatique. Avec le temps, on se rend compte que, non, ils ont le talent, mais ils jouent pour leur ventre. Ils s'en fichent de vous là, c'est les histoires. Jusqu'à un gars comme Malos, tu tires sur les vendeurs de piments, mais elles font partie de ton fonds de commerce. Tu les utilises dans tes chansons. Tu as des vidéos obscènes. Quand tu vois les chansons de Malors, quand tu vois les filles habillées, mais attendez, mais c'est l'incarnation de la vente du piment. Son mode de vie, c'est l'incarnation d'un proxénète. Mais oui, parce que c'est toi qui fais le business de la nuit. C'est toi qui as les vidéos. Parce que quoi, tu n'as pas une musique douce. Tu as une musique de la racaille, de la rue. Et de sur quoi? Les vidéos sont là qui confirment. Tu es dans l'alcool. Donc tout ce que tu fais rime avec ce que tu dénonces. Ça veut dire que c'est les gars avec le temps, tu te rends compte, qui joue pour lui seul. Il s'en fout de vous. Il s'en fout de vous. Petit frère, calme-toi, tu ne connais rien. Ce n'est pas le livre magique, il n'y a rien de magique sur terre. La magie, c'est ton mode de vie. Miranda, il faut être fort pour écouter ce que je dis. Tu n'as pas le niveau, tu dégages. Ok? Voilà. Donc, c'est-à-dire, si tu n'as pas le niveau pour écouter ce que je dis, tu quittes. Il n'y a pas le livre magie. C'est ton mode de vie qui est ta magie. Voilà. Si tu sèmes le vent, tu vas récolter la tempête. Voilà. Pour mieux connaître les gens, il faut te conformer. Pour mieux connaître les gens, il faut les chercher dans les bouquins. Il faut lire. Tu peux chercher, tu peux parler d'un Bamileke et tu ne fréquentes pas le Bamileke. Non. Il faut le fréquenter. Tu peux parler d'un Sawa, tu ne fréquentes pas les Sawa. Tu peux parler d'un Béti, tu ne fréquentes pas les Béti. Non. On ne connaît pas quelqu'un à distance. Non. Je te conseille d'aller lire. Je te dis d'aller lire. Je parle de... Il te dit d'aller lire. Il faut aller lire. Si tu ne peux pas avoir la maîtrise en soi, parce qu'il y a beaucoup de gars là qui se disent comédiens, artistes, mais ils n'ont aucune maîtrise en soi. Et si tu sens que tu peux avoir la maîtrise en soi, apprends à lire. Va lire les livres qui vont te donner la maîtrise en toi-même. Qui vont t'apprendre à te faire comprendre que quand tu as un certain niveau de la vie, tu ne dis plus n'importe quoi. Pas parce que tu es faible. Tu vois, tu te tais. Pas parce que tu n'as pas vu. Tu manges, tu la boucles. Mais oui, c'est comme ça. La vie, c'est ça. C'est-à-dire que quoi? À un moment de la vie, il y a ce qu'on appelle préserver sa dignité. Tu vas voir quelqu'un, tu m'invites. J'ai les gars qui m'invitent chez eux ici, là. Ils sont sur la toile. Peut-être Mbanga, voilà la photo. Voilà, on se filme, pardon. Mais Mbanga, pardon, ne filme. Pardon, Mbanga, pardon, ne mets pas ça sur Facebook. Tu ne mets pas. Tu ne mets pas. D'abord, ça veut dire que ça, la photo ne. C'est-à-dire, tu peux garder. Tu gardes. Tu n'as pas besoin de mettre. L'homme, c'est sa dignité. Mbanga, je t'envoie mon argent. Pardon. Je ne veux pas que ma mère soit au courant que j'ai acheté le terrain. Sa mère t'appelle. C'est comment mon fils? Mais ton ami là, depuis là même, depuis que tu t'es venu ici à la maison, là, il devait acheter le terrain. Mais comment il a changé d'avis, mon fils? Pardon, mets la pression sur l'enfant là. Il faut qu'il achète son terrain. Pardon. Alors que j'ai acheté le terrain de son fils. Mais il te dit, je ne veux pas que ma mère soit au courant. Mais oui. Mais oui, c'est vrai. Moi, j'ai le compte bancaire là, je mets là en dedans. Il dit que chérie, comme tu vois là, tel, l'agence, ça appartient à tel. On ne sait jamais. Si je fais l'accident, ne mange pas l'agence. C'est pour tel.
Voilà le papier de West Union qu'il a envoyé. Tous les papiers de West Union, je garde. Je mets là. Ma femme connaît qu'elle ne touche pas l'argent là. Ce n'est pas ma part. C'est la vraie richesse. La vraie richesse, c'est les personnes qui nous entourent. C'est notre mode de vie qui nous rend riches. Vous allez voir les gens qui n'ont jamais construit de maison. Mais on les a donné la maison. Ça avait le temps que tu comprends que non. On peut avoir l'argent, mais on est pauvre. Il y a des gens qui ont eu tous les plus grands postes du monde. Les postes stratégiques, les postes d'argent. Ils ont eu tout le bonheur du monde, mais ils n'ont rien gagné. Ils sont morts malheureux. Avec les enfants au chômage. Mais vous allez voir des personnes qui ont passé toute leur vie dans la précarité. Mais tu ne peux jamais connaître que ce monsieur s'il vivait dans la précarité. Ses enfants ne manquaient de rien. Il était bien entouré. Il a passé sa vie à rendre les services aux personnes. Il a été loyal. Il a été loyal. Je connais un grand frère qui est commissaire à Yaoundé. Il est commissaire à Yaoundé. Son père était garçon de maison d'un grand cadre à Yaoundé. C'est un papa. Quand il venait en Banga, mais nous on croyait qu'il était riche. Avec le temps, on a découvert que non, hey, le PSI là, c'est un débrouillard. Il est garçon de maison. Il ouvrait le portail chez un monsieur à Yaoundé. Le monsieur là a fini par envoyer les enfants de ce papa à l'école. Il a envoyé la fille du monsieur à l'école. Pour finir même, le monsieur là, l'un de ses fils a épousé notre soeur de Mbanga là. Le fils du monsieur qui était grand à Yaoundé là, a épousé la fille du monsieur là. Aujourd'hui, la fille là en Europe, j'ai fréquenté avec elle. Le grand frère de la fille est commissaire de police. Avec le temps, quand tu n'as pas la maison, tu penses que l'homme qui n'a pas la maison est très malheureux. Non. Non. Et avec le temps, tu te rends compte que non. On peut être millionnaire sans être millionnaire. Quand on est entouré de millionnaires, et qu'on est sérieux avec ces millionnaires-là, automatiquement on est millionnaire. Il y a des gens, tu vas voir à l'hôpital. Ils ont les banques de prise en charge. Ils peuvent aller se faire soigner à Paris. C'est les gens qui payent. Mais attends, je prends un exemple. Voilà le coach Ankono, non? Voilà le coach Ankono. Tu peux l'insulter, tu peux tout faire. Il est tombé malade ici, là. Qui l'a envoyé se faire soigner en Europe? C'est qui? C'est Samuel Eto'o. Voilà les simples petits exemples. Donc on peut être multimillionnaire sans être millionnaire. Faut garder sa dignité. Parce que la dignité fait à ce que les gens ne retiennent que du bien de toi. Quand tu as gardé ta dignité, tu es lucide. Quelqu'un se comporte mal. Tu découvres que cette personne n'est pas bien. Sauf en cas s'il est un criminel. Sauf en cas où celui-là verse le sang des gens. Mais s'il a un sale caractère, s'il a un mode de vie compliqué, bizarre là, tu prends tes distances. Tu ne parles jamais, tu te recules. Ça va te sauver. Ça va te protéger. Et tu seras un exemple pour la société. Tu vas devenir même un coach. On ne devient pas coach parce qu'on passe son temps à bavarder, à trahir les autres. On devient coach parce qu'on est un médecin pour les autres. Parce qu'en nous, les gens trouvent la guérison. Tu as vu un médecin, un vrai médecin bavarde. C'est pourquoi l'autre a raté sa vocation. Il va vous dire bac plus 6 ou un Banga diaspora. Pourquoi tu. Non, je n'ai rien contre Numbisi. C'est qu'il serait plus noble, plus digne en sauvant les vies. Le médecin, c'est un homme noble, monsieur. Il y a deux corps sur la terre. Va te renseigner à n'importe qui. Il y a deux corps, deux entités dans ce monde que tout le monde respecte. Que même quand il y a guerre, on ne les touche pas. Il y a l'enseignant, il y a le médecin. C'est reconnu partout comme ça là. Mais vous préférez le perroquet qui vient crier chaque jour sur Facebook. Il est dans tout. Il vend les croquettes. Ouais, c'est vous, c'est ça. Quand Banga Diaspora veut parler, je l'insulte pas. Je m'en fous de sa vie. Mais nous sommes dans les idées. Comment tu as fait 7 ans, 8 ans d'études, spécialisation, 10 ans parfois, pour venir vendre les croquettes? C'est ton niveau, mon ami. Quelqu'un qui peut déchirer le corps humain. Tu vois Baybeck aller vendre les croquettes.
Tu vois un homme comme Baybeck s'intéresser aux habits? Pour faire une vidéo, il faut faire le... Il faut maquiller le visage. Pour venir parler quoi? Un médecin. Mon ami, un médecin, dit man. C'est le sommet des sommets, gars. Aux États-Unis, c'est les riches. En Europe, c'est les riches. En Asie, c'est les riches. Parmi les top 5 des milliardaires singapouriens, il y a au moins 2 médecins dedans. Même le vol, même le banditisme, tu ne peux pas voler comme un médecin. Mon ami, il tient ta vie. Il tient ta vie. Attendez, aujourd'hui, il a raté sa vocation. Il a raté sa vocation. Parce qu'il n'y a rien qui donne l'argent comme, comme la médecine. Tu es plus riche que l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. Tu es plus riche que eux. Donc je pense que si, vous, si vraiment c'était un génie, comme vous dites là, il devait faire la médecine, utiliser son intelligence, créer seulement quelque chose dans la médecine qui fera de lui un homme riche. On vend seulement sa créativité. On vend seulement ce qu'il a découvert dans la médecine. Il devient riche. Un médecin, même quand il écrit les livres, il devient riche. Et c'est lui qui crie chaque jour. Il part des croquettes. Ce n'est pas sur mesure. Il vend les habits. Il vend les chaussures. Un médecin, on lui donne. Mon frère, il y a celui qui a sauvé ma fille là, mon frère. Si tu pars dans son bureau, les crimes, c'est moi qui ai mis. Je n'ai pas envie de citer le nom de l'hôpital. Tu pars dans ses bureaux, il a 2 crimes, c'est moi qui ai mis. Tu pars dans son bureau, tu vois les caméras. C'est moi qui ai mis. Mon ami, il a soigné ma fille. J'ai marché partout. J'appelle son nom, docteur Oyono. Oyono. Un escroc malhonnête, docteur Oyono. Ma fille avait les amygdales. C'est une clinique, tu pars là-bas. À côté de les sapeurs-pompiers, à l'intérieur là-bas. Ces apacheurs te récupèrent à l'hôpital central, la Quintini. On t'amène chez lui. Quand il guette ta marque de voiture, tu es moi en guerre. Il lit. Pour les amygdales, il a dépensé plus de 2 millions. Donc, je peux te dire quoi? Même si un enseignant ou bien un médecin devient escroc, il a l'argent. Parce que ce qu'il fait sur Facebook là, ce n'est pas différent de l'escroquerie. Ouais. Détourner les idées de la jeunesse. Tu es médecin. Tu es médecin, tu te retrouves dans les conneries qui n'ont pas de sens. Vendre les croquettes, les frites, c'est quoi? C'est quoi? Donc, et vous supportez ça? Non, c'est ce qu'il a aimé, non. Quand on dit qu'on est intellectuel, on est au-dessus de tout ce qui va du commun des mortels. On est au-dessus du luxe. On est au-dessus de la... on n'a pas de problème de voiture. On n'a pas de problème de voiture. On n'a pas de problème de barbe. On a un problème de l'avenir de son peuple. Un vrai intellectuel ne se bat pas pour lui. Puisqu'en réalité, on lui donne. C'est les seules personnes, l'enseignant et le médecin, c'est les seules personnes qu'on considère les paroles comme une parole d'évangile. Quand ils parlent, on croit. Que voilà, non? Ton pasteur parle. Il crie là. Mais quand ton médecin te parle, tu te conformes. Même le pasteur se conforme devant le médecin. Même le pasteur se conforme devant son médecin qui apprend la théologie. Qui est au-dessus de personne? Après Dieu sur terre, c'est les médecins et les enseignants. Qui peut dire le contraire? On a vu Popol ici, il a reçu son maître de l'école primaire. Popol a reçu son maître de l'école primaire. Ça veut dire que quand tu es loyal dans ton service, tu peux être millionnaire, milliardaire, sans être milliardaire, millionnaire. Tes enfants vont avoir le travail, pas tes relations. C'est ce que moi j'ai choisi. Déjà parce que j'ai aussi eu l'argent. J'ai touché l'argent. Avec le temps, non. Ce n'est pas parce que tu as l'argent que tu es riche. C'est quand tu es bien entouré que tu es riche. Je suis allé avec Alice à l'hôpital Acha. Le petit qui avait mal aux yeux que vous avez cotisé là. Donc comme ça, un bonjour à celle qui avait plus cotisé. Il est nommé Vicky. Vicky. Arrivé là-bas, l'ophtalmologue me voit, il sort de son bureau. Hey, Mbanga Diaspora, how are you? C'est un hôpital des Anglo. I love what you are doing.
Oh, il me dit qu'il était aux États-Unis. Voilà, il est venu ici là pour former quelques personnes. Il a tellement aimé. Il m'a fait une réduction de 20%. Il m'a fait une réduction de 20%. Imagine. Imagine. Donc c'est tout. De l'opération jusqu'aux lunettes, 20%. Donc quand tu es loyal envers les autres, automatiquement tu deviens riche. Et pour découvrir les gens qui sont bien, c'est très simple. Il faut avoir la maîtrise en soi. Quelqu'un peut te faire la talakou, quelqu'un peut te faire la pelle de balle pour mieux te connaître, pour te fréquenter, pour t'abattre après. Méfie-toi des personnes qui viennent de part et d'autre pour venir être à côté de toi. Méfie-toi. Méfie-toi. Même si quelqu'un a fait des millions de vues parce qu'il te soutient, quand il vient à côté de toi, regarde-le bien. Prends ton temps. Take your time. Take your time. J'ai beaucoup de personnes que j'ai apporté le soutien. Ils me voyaient. Il y a un là sur la toile. Je suis devenu son ami. Les gens pensent qu'on se connaît. Non, je suis devenu son ami parce que j'avais fait une vidéo sur un ministre qu'on voulait libérer de la prison. J'ai fait la vidéo là. En 4 heures de temps, j'étais là peut-être à 60 000 vues. 60 000 vues. Le gars me contacte. Je vois sa photo, son WhatsApp. Il est avec le ministre là comme ça là. Je dis que mais le titre m'appelle pourquoi? Est-ce qu'on se connaît? J'ai vu sur sa publication, il a dit que bientôt on va libérer le ministre. Je dis que mais moi aussi j'ai fait la vidéo pour parler. Il m'appelle, il me dit que mon gars, comment toi tu peux faire ça? On est en train de vouloir libérer quelqu'un. Toi tu peux faire la vidéo sur lui. Vraiment, tu es au Cameroun, il faut qu'on se voie. Nanani nanana. J'arrive au Cameroun. 3 jours après, pam, je fais une vidéo. Le gars qui, là où il se trouve dans la ville, il veut me trouver en Banga. Avec l'argent. Il me dit, gars, efface la vidéo là. Pardon. Maintenant, ce qu'on va faire, tu vas jouer pour tel. J'ai dit non, merci. Je n'ai que faire mon travail. Il dit non, merci. Je ne peux pas effacer la vidéo là. Donc dans la vie, il faut garder sa dignité. Et aujourd'hui, le même gars est ennemi avec le ministre là qui est en prison. Ouais. Et le gars m'appelle, il me donne raison. Le gars est venu maintes fois ici à Douala pour venir chez moi. Et dit non, on se voit qu'au carrefour. Mais oui. Mais oui. J'ai toujours dit. Allez, il faut voyager, ne restez pas seulement là. Voyagez. Allez chez les moines. Allez dans les temples moines. Allez, 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 tout ça. Allez, allez, voyagez. Vous, allez dans les temples. Achetez les bouquins. Vous lisez. Moi, je ne lis pas moi trop. Je ne lis pas. Mais le voyage m'a enrichi. Je peux voir quelque chose, je ne dis rien. Je ne parle pas. Pas parce que je n'ai rien à dire. Non. Parce que je garde ma dignité. Parce que j'ai appris que les personnes, quand tu étais vrai avec une personne, quelle que soit la distance qui vous sépare, quel que soit le mauvais moment que vous allez traverser, quel que soit le clash, quelle que soit la guerre froide qu'il y a entre vous, tu ne ramènes pas son passé sur la table. Non. Quand tu étais vrai avec quelqu'un, méfiez-vous des personnes, quand ils se séparent de certaines personnes, c'est le moment pour eux de venir verser cette personne devant vous. Méfiez-vous de ces personnes-là. Ils feront de même avec vous. Ils ne sont pas vrais. Ils ne sont pas vrais. Sauf si vous voulez utiliser ça contre cette personne-là, oui. Parce que la guerre, c'est l'intérêt. Mais toi, ne le fais pas confiance. Ne fais pas confiance. Ne fais pas confiance aux gens qui ne sont pas stables. Jamais de la vie. Et toi qui le fais, sache que tu détruis ton image. Comme j'ai dit, la vraie richesse, c'est quand on est bien entouré. Il y a des gens, tu vas les voir dans les grosses voitures, ce n'est pas leur voiture. Ils sont bien entourés. Ils n'ont pas un problème de santé. Il est malade, il part à l'hôpital, on le soigne. Il a le bon de prise en charge. Il a le bon de carburant. Il a tout ce que tu ne peux pas imaginer. Il a la maison, il ne paye pas, on paye. Pour finir, on lui offre une maison quelque part. Parce qu'il est loyal. Il faut être loyal. Moi, j'ai décidé d'être loyal. Pas parce que je ne peux pas être malhonnête. Si je te montre mes plans de guerre,
Tu ne peux même pas me parler fort. On dit que quelqu'un a beau ça. Quelqu'un a fait les bas Soudan. Eh bah, quand pays. Il était où même? Il était où? Tu parles Dubaï là. Dubaï là. C'est en 2001. Donc tu n'étais même pas encore pété né. Aujourd'hui tu es là-bas, tu viens parler. Je me réserve encore. Un jour qu'elle a commencé à balancer les photos. Et donc le gars c'était ici là. C'est que parfois il faut se maîtriser. Voilà, il faut se maîtriser. J'ai mis l'autre jour le statut, une photo d'un pays. Les gars disent, mais Gram, tu étais ici, récemment, et le petit frère. C'est parce qu'on a décidé de montrer la vie autrement. On n'a rien à prouver. Voilà, on n'a rien à prouver. Mais à l'époque, là, beaucoup de vous, vous étiez encore sur les bancs. Issu de la promotion 2000. C'est pourquoi je respecte tous mes aînés qui ont influencé dans notre vie. Et nos aînés ont beaucoup réussi, mais ils sont dans l'ombre. Au fait, quand tu comprends déjà même la quintessence de la vie, quand tu comprends déjà la nature de notre présence sur terre, tu n'as plus rien à prouver à ceux qui veulent que tu leur prouves quelque chose. Non. Tu as quelque chose à prouver à toi-même. Au départ, chacun veut prouver quelque chose aux autres. Mais à la fin, tu comprends que non, ça ne te profite pas. Ça te vide de ta spiritualité, de tes forces. Parce que d'abord, tout est d'abord spirituel avant d'être physique. Et quand tu te vides de ta spiritualité, tu perds même ta force. Et tes forces, c'est quoi? Le manque de confiance en soi. Le manque de confiance en soi. Et là, c'est quand tu as perdu ta spiritualité. Et la spiritualité va de commun avec Dieu. La spiritualité, c'est Dieu. Quand tu commences à perdre la foi envers Dieu, tu perds même tes forces. Parce que tu n'es plus sûr de toi. Et quand tu n'es plus sûr de toi, tu penses qu'il va te porter pour te déposer là-bas. Tu es obligé de te coucher, dormir. Et aucun bonheur ne viendra te trouver sur le lit, mon ami. Va te battre toi-même. Tu dois risquer. Tu dois provoquer ton bonheur. C'est pourquoi tu ne dois jamais abandonner. Tu ne dois jamais abandonner. Et quand tu n'as pas la foi en Dieu, et quand tu perds ta dignité automatiquement, tu perds même la foi en Dieu, la croyance en Dieu. Tu commences à croire aux charlatans qui sont autour de toi. Mais les mêmes n'hésiteront pas à te renier quand tu vas échouer. Les mêmes là, ceux qui te demandent aujourd'hui, abandonne. Non, vraiment, ah, tel business n'est pas bien pour toi, telle chose. Non, non. On risque toujours pour arriver quelque part. Même le visa là, tu n'as pas cru un moment. Combien de rendez-vous? Parfois, tu te lèves à 6 heures, en venant qu'il y a des gens à 4 heures depuis. Mais un matin, bim, tu as le visa 4 ans après, 3 ans après. Arrête de changer les noms. Vous qui cherchez le visa, là, arrêtez de changer les noms. Arrête. Pourquoi tu changes ton nom? Pourquoi tu dois changer le nom? Sois cohérent. Fais un bon dossier. Je vous ai dit, créer les entreprises. Tes parents veulent dépenser 4 millions. Mais dis à ton père, maman, donne-moi 250 000, je vais créer mon entreprise. Après un an, je vais demander le visa. C'est quoi? Prends ton temps. Vous perdez votre dignité. Vous perdez votre foi en Dieu. Le manque de confiance en soi. Vous orientez les parents aussi dans le faux. On voit les gens parce qu'ils veulent le visa. Ils changent de nom. Ils ont dit non. Ils font 10 passeports. Mais attendez, mon ami. Ton nom, c'est toi. Ton nom, c'est toi. Ça va te rattraper. Ton passé va te faire le chantage à ton présent. Au Cameroun, il fut une fois mon enfant né ici là. Il est en décembre. Non, chérie, attendons une fois en janvier. moi, je n'aime pas certains choses. Tu crois? Donc, non, chérie, tu sais que si on fait son acte maintenant, l'enfant aura un an en janvier. Comment? Mais attendez. Tu vis pour les hommes ou bien tu vis pour Dieu? Donc, demain, là, l'enfant va célébrer le jour qui ne l'appartient pas comment. On est ce qu'on est aussi grâce au jour qu'on est né. Mais oui, on est ce qu'on est grâce au jour qu'on est né. Ça ne plaira pas. L'heure qu'on est né, c'est important. Ouais, les gens sont là, ils changent le nom, tout et tout. Même s'ils savaient que tu as changé ton nom un jour. Quand tu veux célébrer ton anniversaire, célèbre vraiment le vrai jour que tu es né.
Ne mens pas à toi-même. Arrête de mentir à toi-même. Mens aux autres, mais ne mens pas à toi-même. Célébrer son jour d'anniversaire alors que ce n'est pas son vrai jour, c'est se mentir soi-même. Ça nous vide de nos substances spirituelles. On est ce qu'on est grâce au jour qu'on est né. C'est important. C'est très important. Méfions-nous. Il faut beaucoup se concentrer sur le jour que tu es né. Ça définit ton avenir. Dans d'autres cieux. Dans l'ancien Égypte. Même maintenant. J'ai fait Wadahalfa, non? La frontière Soudan, Égypte. On ne blague pas avec le jour qu'on est né. Ça définit notre avenir. Ça définit notre avenir. Donc pour ceux qui passent le temps à changer la date de leur naissance là, tu peux prendre, mon ami, les signes astrologiques, ce n'est pas occidental. Non, non, ça ne vient pas de l'ancienne Grèce. Ça vient de l'Égypte. Les signes astrologiques, ça vient de l'Égypte. Pour ceux qui ont fait l'Égypte, connaissent. Ça vient de l'Égypte. Nos ancêtres croyaient à ça. Le mois que tu es né, le jour que tu es né, c'est important. Ça définit ton comportement. Et ça t'oriente même vers les bons choix. Vers les bonnes personnes. Donc méfions-nous. Ceux qui changent le nom là. Même si ça avait un jour que tu as changé ta date de naissance pour quelque chose, pour quelle que soit la raison. Quand tu veux célébrer ton anniversaire, célèbre le jour que tu es né. Mais oui. J'ai eu un grand frère comme ça, dans la famille. Il avait changé son nom par rapport, changé sa date de naissance. Mais constamment, on dirait que c'est l'anniversaire de papa. Mais ça ne concordait pas avec le jour de sa naissance. Ça ne concordait pas avec le jour de sa naissance. Méfiez-vous. Il ne faut pas être faux avec soi-même. Sois faux avec les autres, mais pas avec soi-même. Ça te vide de ta spiritualité. Donc voilà, pour tous ceux et celles qui veulent les produits pour m'écrire, on a là le Lily Slim. Lily Slim. Trois boîtes, si tu veux perdre du poids. Lily Slim, il y a le stock. Hein. Pour tous ceux qui ont envoyé l'argent, s'il vous plaît, il y a déjà les produits. Venez prendre vos produits, pardon. Voilà. Voilà ça. Si tu as envoyé là ton argent, parce que depuis là, je fouille un peu là. Écrivez-moi à WhatsApp. Et puis, j'ai changé dans l'écran de mon téléphone. Donc, vous pouvez m'écrire déjà sur le plus 62 812 125 244 98. Voilà, ou sur mon WhatsApp, plus 62 812 125 1, plus 237 683 40 97 55. C'est mon numéro WhatsApp MTN. Le boycott, ça continue. Hein? Donc, si tu veux perdre le poids, voilà le produit. Voilà, on a le stock au Cameroun. Lily Slim. C'est le produit naturel. Fait à base de plantes naturelles. Voilà le produit. Pour la goutte. Mandra, tu vas pas? Voilà le produit pour la goutte. Tu te lèves le matin, le bas des pieds, ça chauffe, ça picote. Tu n'arrives pas à arrêter le verre comme ça là. Voilà, voilà le produit. Bonjour Patrick Domche. Donc voilà le produit. Produit pour la goutte, l'acide urique. Voilà le produit pour durer sur la femme. On dit Mbanga avec M. M-B-A-N-G-A. Mbanga, ça veut dire que tu fumes le Ndepanke. Voilà le produit pour tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce. Voilà, tu montes sur la femme, tu fais 5 minutes. Tu fais 10 minutes, tu jouis. Voilà, c'est pas normal pour toi. Voilà le produit. Lily, le Super Love, best-seller. On a le stock en France, Belgique, Allemagne, Italie, États-Unis. Voilà. Voilà le produit. Et sinon, nous, on a le produit...
Oui, Dark Gérard, pour la goutte, oui. Et c'est préventif. Voilà, c'est préventif et curatif. Mon ami, appelle. Le nom, pourquoi quoi, le nom? Pourquoi vous aimez ça? Tu vas l'acheter ailleurs, c'est ça? Vous, les Camerounais, vous êtes comme ça là même. Quelqu'un fait son business, tu viens lui demander le nom. Le nom te sert à quoi? Appelle-moi. Voilà les petites choses que vous faites. Vous manquez de tact. Quelqu'un cherche son argent. Il vend ses produits. Il donne son numéro plus 237 683 40 97 55. Qu'est-ce que tu fais? Tu l'appelles. Mbanga Diaspora, j'ai besoin du produit pour la goutte. Comment je peux faire? Voilà le numéro. Tu fais un dépôt Orange Money, un petit money. Voilà. On t'envoie ton produit, tu payes les frais. Quand tu demandes le nom là, ça te sert à quoi? Va à la pharmacie. C'est clair. Je me cherche. Tu me parles des trucs qui n'ont pas de sens. Voilà les produits pour tous ceux qui ont souffert de problèmes de calvitie, barbe et les chutes de cheveux. Voilà. Moi, j'avais la calvitie. Hein. Ah, j'avais la calvitie. Voilà le produit. Voilà le produit. On a le score rien qu'au Cameroun. Mon numéro, c'est le plus 237 683 40 97 57. Soutenez la page. Vous ne pouvez pas venir là. Je suis au Cameroun. Je fais les lives. On édifie. On s'édifie entre nous. Parce que je lis souvent vos commentaires. On finit là. Hein? Mais tu es en Belgique. Mais tu as mon numéro, mon cher. C'est pas ça le plus important. Soyons lucides. Faisons comme la diaspora. Je ne comprends pas. Tu es en Belgique. Ça n'a rien à y voir ici. Tu seras sérieux si tu prends mon numéro WhatsApp. Tu m'écris, mon frère. Partageons-nous les idées. Quand tu as besoin de quelque chose, évite de venir parler en public que j'ai besoin de telle chose. Ton ennemi peut être là. On en a que souvent les gens. Pourquoi? Parce qu'ils viennent faire découvrir leur business, leur projet en public. Après, quelqu'un se transforme comme l'un des techniciens dont tu as besoin. Tu ne jauges même pas le danger qu'il y a derrière. Non, ne fais pas ça. C'est un conseil. Peut-être de grands frères ou bien c'est de petits frères. Quand tu veux quelque chose, ne fais pas un commentaire. Tu as besoin du terrain, ne fais pas un commentaire. Ta femme peut être que elle n'a pas la même vision que toi. Elle vient te détourner de ton projet, de ta cible. Non, quelqu'un peut venir là te décourager. J'ai un petit frère. Il passait son temps à acheter les cadeaux à ses cousins, à ses nièces. Il achète les cancans chauds. Je lui ai dit que la femme blanche aussi va te quitter. Que non, grand frère, je maîtrise ma femme. Petit frère, fais ça en cachette. Elle va te quitter. Vous avez deux enfants. Tu n'as même pas un projet d'acheter un appartement. Attendez, mon ami. Tu penses qu'elle t'accouche les enfants pour que vous dormez dans la rue? C'est la femme occidentale. Mais oui, c'est la femme occidentale. Elle a la maîtrise en soi. Elle ne parle pas trop. Elle observe beaucoup. Elle pense que tu vas changer. Un matin, mon ami, ça a commencé les problèmes. Mais oui, là, il m'envoie seulement le message. Que chérie, vraiment désolé, on ne peut plus continuer ensemble. Oui, chaque 6 mois, tu es en Afrique. Quand tu n'as pas de papier, tu ne partais jamais en Afrique. Tu as eu les papiers, on a deux enfants. Tu ne penses pas à notre avenir. Oui, tu fais les cadeaux pour ta famille, 5 000 euros, 3 000 euros. Hein, chaque jour, tu es au Cameroun. Mais attendez, qu'est-ce que ça a foutu? Quand tu as un projet, évite de l'amener en public. Non. Parle souvent de quelque chose que tu allais réaliser. Là, c'est ta santé. Quelqu'un peut t'écrire une bourse là maintenant. Que le produit que Mbanga Diaspora vend là. Moi aussi, j'ai ça. Il peut te vendre le coba. Je te conseille pourquoi. Parce que quelqu'un peut venir là dire que j'ai tel produit aussi. C'est que Mbanga Diaspora, moi, je vends ça. Il peut te vendre le coba. Il t'abuse. Il te dupe. Tu auras les mauvais souvenirs de moi. C'est pourquoi je te dis là comment il faut procéder dorénavant. On abuse beaucoup de personnes. Pourquoi? Parce qu'ils viennent montrer leurs envies en public. Même quand tu envies quelque chose, évite de les montrer en public. Même quand tu veux le terrain. Mbanga Diaspora parle des terrains en Gombe. 8 000 mètres carrés. À l'Orbessou, 30 000 mètres carrés. Tu achètes, tu construis une fois. Il y a les terrains. Si tu veux un terrain, ne viens pas taper les commentaires. Tu as ta femme. Peut-être elle n'est pas contente que tu rentres en Afrique. Peut-être que tu as un projet en Afrique.
Même nos propres femmes ici à la maison parfois. Parfois on a des projets dans la famille. Elles ne sont pas d'accord. Elles ne sont pas d'accord. Moins de petites occasions, pap. Elle s'appuie sur ça pour dire que chérie, tu vois. Voilà, tel gars a fait telle chose. Le voilà. Mon ami, ça dépend. Chacun ses problèmes. Chacun ses ambitions. Il y a des ambitions que dans la vie, si tu ne réalises pas, tu ne passeras pas à autre chose. Ça va te hanter. Ça va te hanter. J'étais au pays en décembre, on s'est rencontré devant la mairie. Oh, Patrick, c'est comment mon frère? Oh, Ndomche. Ouais, un bon gars. Oh, Patrick, ouais, je me souviens de toi. On est parti là, tu m'as donné un bon vin. Ah, les garçons, bien. Ah, oui, merci à toi, Dak Gérard. Merci que tu as compris. C'est pas un clash, hein. Je partage l'idée avec toi. Faisons attention. Beaucoup de nous empoisonnons notre propre vie. C'est-à-dire, les gens profitent de notre comportement en public pour nous empoisonner. Comme ça revient à ce que je disais là. Aux soi-disant comédiens qui viennent montrer leurs frustrations sur Facebook. Ils pensent qu'ils se font du mal à ceux qu'ils affichent. Tu t'affiches toi-même. Les petits pays ont beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce que les gens les font confiance. Surtout quand vous avez choisi que non, je veux l'argent. Ils veulent le succès, ils veulent l'argent. Et les gens qui ont le succès que vous voyez là, beaucoup là, ne sont pas les personnes pieuses. Ce n'est pas des personnes saintes. Non. Faites attention. Mais oui, mon frère Patrick. Mais depuis là, tu m'as jeté. Tu sais que je suis en train de mettre l'orphelinat sur pied, non? Je suis en train de mettre l'orphelinat sur pied. J'ai besoin que chacun m'offre seulement un lit. Un lit, deux matelas. Un lit en étage, deux matelas. Ça va m'aider. Ça ne vaut rien. Si tu étais venu avec une grosse voiture comme ça, la Lexus. Ouais. Jusqu'à j'ai même dit que mais, tu fabriques l'argent ou bien c'est comment? Ouais, chez mon ami de la diaspora de Paris, là. Canto, là. Ouais, Canto, oui. Son métier, c'est goûter de vin. Donc, quand tu as tes fêtes, tu invites Canto, là. Il te donne les choix des vins. Voilà. En fonction des repas. Oh, l'activiste Daniel Comet. Ça dit quoi? Mon bon petit. Donc, vraiment, pour tous ceux qui veulent soutenir Banga Diaspora, pour son orphelinat, vraiment, il n'y a pas d'orphelinat sans le lit. Même quand tu veux offrir quelque chose à quelqu'un, même à un inconnu, offre-le quelque chose de bien. Voilà l'orphelinat que je dois mettre sur pied. J'ai dans la maison et à la cour. Mais il me faut les lits. Non, appelle-moi sur mon numéro WhatsApp. Peut-être c'est quand mon téléphone avait les problèmes. J'ai le téléphone Vivo, la marque Vivo. Il n'y a pas l'écran de ça. Donc, Patrick, c'est sûr que tu m'as appelé, l'écran était cassé. Donc, ce que tu vas faire, appelle-moi encore au plus 237 683 40 97 55. Donc, d'ailleurs, comment on met du cadre de Banga Diaspora, il faut envoyer ta participation. Wow! Oh, frère, grand merci. Non, le moment est derrière là. Mais oh, merci, Patrick Domché. Ah oui, merci à toi. Grand merci, mon frère. Les bonnes personnes, ça se voit. C'est-à-dire, vous allez voir des personnes, ils viennent vers vous. Ils n'ont pas assez. Mais ils ne vous disent pas qu'ils n'ont pas. Mais la manière, ils vous donnent le peu qu'ils ont. Tu comprends qu'ils ont de l'amour pour toi. Ah oui, c'est vrai. Et puis, les gens ne réalisent pas ce qu'ils font quand ils n'ont pas assez de moyens. Quand tu peux t'en sortir, quand tu n'as pas assez de moyens. Imagine quand tu auras. Beaucoup de personnes commettent les erreurs. Non, je vais me marier le jour où j'aurai beaucoup d'argent. Je vais doter ma femme à 6 millions. Pour le moment, on te demande 500 000 pour doter la fille là. Ça te dépasse. C'est quand tu auras 100 millions que tu vas enlever 6 millions pour doter. Arrête ça, dis donc. Arrête ça. Ça arrête ça. Voilà. L'assurance en soi n'a pas besoin d'avoir beaucoup pour réaliser. Quand on est sûr de soi, on fait avec ce qu'on a. Mais oui, on fait avec ce qu'on a. Si tu ne peux pas faire avec ce que tu as, tu ne feras rien. Même quand tu vas tout obtenir. Détrompe-toi.
Non, je ne peux pas sortir à voiture. Non, vraiment, mes voitures sont gâtées. Je ne peux pas assister à un ami. Je ne peux pas aller dans un deuil parce que mes voitures sont gâtées. Ah bon? Ah bon? Je vais faire comment? Demain, j'ai une levée de corps en Banga. Voilà la Mercedes. Voilà ma carte hydraulique qui a les problèmes. J'ai donné l'argent. 400 000. Hein? Ouais, j'avais peur, non? J'avais peur. Patrick Ndomche. J'avais peur. Désolé, j'avais peur. C'est pas facile, non, frère. Nous sommes au Cameroun, non, frère. Donc, on envoie, j'envoie là mon gars, Mokolo, la moto. Il vient faire la patrouille. Tu vois un peu. Maintenant, il vient faire la patrouille. Mokolo vient d'avoir fait la patrouille. Qui te cherche là? Voilà, avant qu'il me dise, patron, viens. Et puis bon, parfois, je respecte mon instinct. Hein. Donc voilà. Voilà, on dit le Cameroun. J'ai donné l'argent, la carte hydraulique à un technicien, 400 000. Le lit, c'est 80 000 derrière commun. Le lit, c'est 80 000. Voilà. Voilà. Wapati Wabonde. Le lit, c'est 80 000. Maintenant, les matelas, il faut les bons matelas. Le lit en étage, non? 80 000 avec le bon bois. Mais je pense que c'est mieux de faire les lits là en Banga. Je pense que si c'est en Banga, ça peut être 70 000 comme ça là. Maintenant, il nous faut les bons matelas là. Donc, celui qui peut, tu peux offrir un lit et deux matelas. Comme tu peux offrir le lit, soit tu peux offrir deux matelas. Ça dépend. Voilà, ça dépend. C'est la belle femme ne peut que donner ce qu'elle a. Donc, dans la vie, quand on est vrai, on donne ce qu'on a. Ne donne pas ce qui est au-dessus des témoins. Donc, si tu veux me soutenir pour le projet, voilà le numéro MTN Money 683 40 97 55. 683 40 97 55. Voilà. Mon Orange Money, c'est le 696-94-32-42. Voilà mon PayPal qui est épinglé à l'écran. Voilà. Mon Orange Money, c'est le 696-94-32-42. Donc, j'ai vraiment besoin de votre soutien. Voilà. Soutenez-moi pour ce projet qui me tient à cœur. Vous savez, Banga Diaspora, on a beaucoup de nos frères du nord et sud-ouest qui sont réfugiés là-bas. D'autres dorment à l'école. J'ai peut-être aménagé deux chambres là-bas, mais ça ne suffit pas. Puisque je dois mettre les lits dans tous les 22 chambres. J'ai dû faire sortir les locataires. J'ai une grande cour. J'ai une salle d'études. Tout est là. Voilà. Je vais aussi faire le forage. Il ne doit pas manquer de l'eau. Donc voilà, si tu peux me soutenir, voilà les vrais projets. C'est ça qui va changer le Cameroun. Le bavardage ne change pas un pays. Non, c'est les actes concrets qui changent un pays. Donc c'est pourquoi moi, je bavarde après, je passe à la réalité. C'est pourquoi j'ai dit à mes petits frères de Mbanga, mes grands frères de Mbanga, on s'organise, on crée Mbanga Diaspora. On a créé, ils sont en train de faire de bonnes choses. Grâce à nous, on a poussé certaines personnes à commencer aussi à faire du bien. Parce que le bien que tu fais aux autres pousse les autres automatiquement à faire le bien. Ils viennent en forme de défi, mais ils se rendent compte qu'ils tombent dans ton piège. Parce que c'est ce qu'on a besoin. Quand tu fais du bien, hein, tu provoques un chicha qui est à côté. Lui aussi, il entre dedans. Il veut, soit qu'il fasse même plus que toi. C'est ce que tu as besoin. Quand tu fais du bien, et que tu ne veux pas que les autres fassent aussi de même que toi, mais tu veux quoi à la fin? Tu veux quoi à la fin? Ça veut dire que tu n'es pas généreux. Quelqu'un qui est généreux, même quand tu es mon ennemi, quand tu commences à faire du bien, je t'applaudis. C'est ça que j'ai besoin. Parce qu'automatiquement, le bien que tu fais là transforme ton cœur. Mais oui, transforme ton cœur. Et ce que moi je veux, quand je pousse souvent les gars, non, fais tel jour, non, tel aussi. Je dis, ouais, petit frère, est-ce qu'on a en train de faire le défi? Mais grand, tu sais que tel a fait telle chose, il était aussi à la prison comme nous. Et que petit frère, c'est ce qu'on a besoin. Nous sommes les enfants de Ngame et Piponem, nous sommes les pauvres. Dans les tchouks, on appelle ça le tchoukage. Tu pars à l'hôpital, tu fais les dons. Comprends que quelqu'un est venu là-bas, un gars de Mbanga. Okay, mais grand, il est à l'hôpital, il a fait mal, il a dépensé 2 millions. C'est ce qu'on a besoin, petit. C'est ce qu'on a besoin. Tu mets l'eau, tu ouvres l'eau du forage. Les gens qui sont à côté, regarde, les magistrats qui sont là, ils ferment leur eau. Tu ouvres, tout le quartier vient puiser l'eau. Tu les touques aussi, ils ouvrent. Quand ils tombent dans ton piège, tu es mounangé, mes man. Voilà. C'est ce que tu as besoin. Oui. Ne fais pas ça parce que tu veux te faire voir. Non. Pique-les. Souvent dans le forage, je dis que, mais comment vous versez l'eau, vous gâtez le quartier? Mais partagez l'eau aux gens du quartier.
Comment vous êtes comme ça là même? En réalité, est-ce que ça mérite même votre salaire, votre maison là même? Ça, vous voulez pour Yves. Et que toi, le petit délinquant si là, tu as même fait comment pour entrer dans ce quartier? Elle dit, ah bon? Mais toi, un commissaire, tu me demandes comment moi, un homme d'affaires, j'ai fait pour me constituer au quartier. Mais c'est toi le commissaire, tu touches 380 000. Mon beau-père, c'était un policier. Il me dit, je connais le salaire des fonctionnaires. Comment tu as plus de 50 ans? Tu touches 380 000. Tu es venu dans le quartier ici avant moi. Donc, ça veut dire que tu as acheté ça peut-être à 100 000 mètres carrés. Tu as pris 500 mètres carrés. Tu construis la maison de plus de 100 millions. Et tu n'es qu'un commissaire. Tu me demandes comment j'ai fait pour m'intégrer dans ce quartier. C'est moi qui dois te poser la question là. Le gars ferme sa bouche. Oui, c'est comme ça. On appelle ça le tchoukage. Il faut être wise. Oui, il faut être wise. Tu provoques les gens qui disent qu'ils ont l'argent là, qui ne font rien. Oui. Tu es riche parce que tu as les belles idées. Tu raisonnes normalement. Alors, on peut être riche mais pauvre parce qu'on n'a rien dans sa tête. C'est ça, nous, la diaspora. C'est comme ça. Big up à tout le monde. N'hésite pas de me contacter au plus 237 683 40 97 55. C'est mon numéro WhatsApp là-bas. Big up. I love you so much.